Bonjour YouTube. Bonjour YouTube, on est reparti aujourd'hui sur la tier list des pires jeux, 11 ans de jeux à classer. On avait fait la moitié, la dernière fois on s'était arrêté à Bubsy 3D qui avait fini sur le trône, du coup qui avait fini dans la catégorie Purge Divine, notre plus haute catégorie consacrée aux jeux pourris. Et aujourd'hui... Sur le trône, très belle formulation, effectivement. Effectivement. Et aujourd'hui, eh bien, on est reparti pour continuer cette liste. Alors, comme la dernière fois, hein, pour les gens qui n'étaient pas là, ce qu'on va faire, c'est que simplement, on va classer les... Alors, non pas les épisodes, hein, attention, on va classer les jeux. Les jeux par ordre du plus mauvais au meilleur, plus certaines catégories spéciales, comme les catégories nanar ou arnaque. Pourquoi pas échanger quelques anecdotes sur quelques vidéos si ça nous revient du coup. Et donc le jeu suivant, mon cher Seb, c'est Barbie sur NES. Ce fameux Barbie sur NES. Barbie sur NES. Barbie qui était un vieil épisode du coup, qui est, je crois, ouais. dans les deux premières années qu'on a fait. On l'avait tourné dans le studio là, c'est sûr. On n'avait pas fait une grosse mise en scène autour. Non, tu t'es pas déguisé en Barbie. rempli de blagues sur MDR, les femmes à la cuisine. Je crois qu'il y avait des twists. De vidéo, on a essayé de prendre ça à contre-pied un petit peu ça. Je crois qu'on avait trouvé comme excuse d'ailleurs, mais c'est dans la vidéo, l'espèce de détecteur. Après, c'est un gimmick qui revient souvent dans les JDG, mais le détecteur de quand ça va trop loin dans le sexisme ou autre chose. C'est ça, c'est ça. Je crois qu'on finit sur une blague vaisselle. Je ne referai pas ici, mais ça, voilà. Ça finit complètement sur MDR, les femmes à la cuisine. La cuisine, un épisode pas du tout 2020. Complètement. C'est vraiment c'est le même qui fait la place de la femme. Mais on s'en moquait, bien évidemment. Parce qu'on se moquait de la fin du jeu, voilà, qui disait mais attendez, ça respecte pas les femmes. On offre une paire de chaussures, c'est ça qui arrive aux femmes. Voilà. C'est vrai qu'en plus, l'épisode était quand même assez woke. Hein. C'était pas du tout. On a inventé ça. Franchement, pour être honnête, on était les premiers. C'était sur le rap, Skyrock, c'est nous. C'était une autre époque. Hein. C'était une époque où ce genre de blagues était passé encore. Bien que pourtant, on les prenait à contresens. Parce qu'il n'y avait pas de blagues réellement. Les blagues beauf étaient volontairement beauf et faisaient partie des blagues qui se moquaient du personnage du joueur du grenier qui était un peu beauf. Machin, etc. Donc, je tiens quand même à. C'est monsieur le juge. Je tiens quand même à dire que. Finalement... Mais c'était une autre personne, de toute façon. Il y a ça aussi comme défense qui peut marcher. Et puis, oui, c'est vrai que c'était pas moi. Voilà, donc. C'était pas moi. Vous ne me mettrez pas en prison. Je le mettrai en pas ouf. Ouais. C'est vrai qu'il est pas ouf, que le jeu est vide, en fait. Faut voir. C'est pas si dur que ça. C'était un peu mou, je crois, il me semble. C'était lent. On s'en foutait, on se foutait un peu de la gueule du jeu pour ça, c'est pour le côté vide, effectivement. Il y a des tas de jeux comme ça, notamment les jeux pour les jeux tagués Barbie, ou les jeux de meufs en général, étaient vraiment très, très... C'était des jeux pour bébés, en fait, hein, donc... Pas ouf, au sens où c'était pas dur. Alors est-ce qu'on va vraiment le mettre en petite flaque de vide, en petite flaque de paillettes? En réalité, c'est juste qu'il est vide, quoi. J'ai envie de te dire pas ouf, hein. Ouais, pas ouf. Allez, pas ouf sur... Jurassic Park sur Super NES, t'y as beaucoup joué, toi, non? Ouais, mais je l'avais. Comme tout le monde. Je l'ai fini, comme tout le monde même, qui avait la Super NES. Je l'avais fini, mais en plus, il n'y avait pas de système de sauvegarde, j'avais laissé tourner la console toute la nuit. Je me rappelle, elle était bouillante le lendemain. Il fallait collecter tous les œufs. Bah ouais, c'est un peu de la patoune. Là, on est dans le patoulage, mais c'est Jurassic Park, quoi. C'était quand même assez cool. Les musiques étaient bien. Il y avait des passages FPS. Était excellent. Qui était pas foufou techniquement, enfin... mais qui marchait bien quand t'aimais l'univers, quoi. Moi, c'est un jeu de cœur, donc je serais pas objectif là-dessus. Donc, moi, je me... Attends, c'était... Jurassic Park sur Super NES, on en a parlé parce qu'il fallait le mentionner, mais en réalité, c'est pas vraiment un test de l'épisode. C'est Trespasser, non, le cœur du truc. C'est le cœur du truc, c'était Trespasser. On passe vite fait sur les trois premiers et on finit sur Trespasser. Allez, ultra dur mais pas mauvais. Non, Jurassic Park sur Super NES. Par contre, le Jurassic Park sur Master System que j'ai beaucoup, je l'ai beaucoup joué, je l'ai fini plusieurs fois, de même que le Jurassic Park sur Mega Drive. C'est moi en vrai, le Jurassic Park sur Mega Drive, on en parle pour la blague et je vois qu'il est dans la liste. Mais en réalité, il faudrait une catégorie bon jeu. Le jeu avec Grant est un peu absurde, mais en fait, quel plaisir, quoi. Les musiques sont bien. Et puis, putain, tu peux jouer le Raptor. C'est génial de pouvoir jouer le Raptor. Tu peux...
C'est juste le boss de fin est absurde quand tu tues les raptors en leur balançant des grenades que Grant il finit par ah bah ok. Mais sinon ça c'est même pas je le classe dans la liste pour moi en fait c'est un bon jeu quoi. Ah il faut le mettre on va pas créer une catégorie. Puis c'est JDG, il n'y a pas de bon jeu dans JDG. Bah dans ce cas-là, si je devais le mettre dans une catégorie, le Jurassic Park Mega Drive, je le mettrais en C'est pas si mal, mais c'est pas si mal, je trouve ça presque méchant. Le Master System, par contre, je sais pas si tu t'en souviens, moi j'y avais pas mal joué. Étrangement, j'ai encore énormément de souvenirs de ce jeu sur Master System. J'avais joué pour le test, à l'époque non, j'y avais pas joué. Mais c'était bien, non ? Je crois qu'il était plutôt sympa. Il était plutôt sympa, en vrai. Y avait les phases en véhicule dans la partie herbivore qui était un peu bâtarde. Et l'IA était un peu conne. Non, c'est pas si mal aussi, en fait. Et du coup, on arrive, par contre, au cœur de la vidéo. Jurassic Park Trespasser. Il y a plein de trucs bancals dans le jeu. Mais en même temps, il était un peu en avance sur son point, quoi. Le moteur physique était ouf. Il y avait plein de trucs qui étaient sympas, de bonnes idées. Des idées comme pianoter avec la main pour taper des mots de passe sur des digicodes. Il nous avait bien fait marrer, quoi. Oui. C'était rigolo d'avoir des dinosaures montés sur un sort qui rebondissent. C'était extrêmement drôle. C'est un des jeux, je crois que c'est un des jeux sur lequel on a le plus rigolé en 11 ans de JDG. Quand on l'a vu, on était mais vraiment mort de rire, quoi. C'est pas si mal. J'ai envie de le mettre en nanar, en fait, parce que c'est vrai que l'IA est plus la merde, mais à un point où vraiment c'est vraiment très drôle. Et sachez que Jurassic Park Trespasser, il y a une très grosse communauté active dessus encore aujourd'hui, en fait. Non, je pense qu'il a totalement sa place en nanar. Mais nanar, c'est sa place, ouais. Bah oui, parce que c'est pas un jeu marrant, mais il le devient malgré lui, en fait. Donc c'est complètement ça. C'est complètement un nanar. Il y a des compiles de vidéos qui sont très drôles. Si vous tapez Jurassic Park Trespasser sur YouTube, vous tomberez sur des compiles de bugs vraiment, vraiment à mourir de rire. Notamment quand les gros dinosaures s'affrontent. Parce que là, on a beaucoup montré les raptors. Mais quand tu as les T-Rex et les T-Rex qui se battent entre eux, mais vraiment, t'as l'impression vraiment de jeter des ballons gonflés l'un sur l'autre. C'est vraiment très très drôle à voir. Ouais. Non, c'est clairement un nanar. Tu vois, ça fait partie des épisodes d'Honneur dans Warcraft au ralenti. Ça fait partie des épisodes où je regrette un peu qu'on n'avait pas les moyens de maintenant. Parce que là, clairement, là, regardez, un chapeau en paille, la chemise, on s'en bat les couilles. Pour l'époque, c'est bien, c'est vieux, ça a combien? Ça a 8 ans, ça, je pense. Ben, c'est du fond vert, quoi. C'est du fond vert, et là, ça freeze et ça revient, et c'est un personnage qui explique. Mais c'est vrai que si on avait eu maintenant les moyens qu'on a maintenant, les moyens qu'on a maintenant, on aurait pu faire un truc qui est tellement mieux, tu vois. T'es tourné dans ton salon à l'arrache au milieu des meubles. C'est ça, c'était tourné dans mon salon avec un modèle viewer de Warcraft. Donc effectivement, ça limite grandement les... On était que deux à l'époque, donc ouais. On peut pas nous en vouloir par rapport à ça, tu vois. Soccer sur NES. Il me semble qu'on avait dit une bêtise dans le test, il me semble, je sais plus, par rapport aux gardiens, on avait joué un peu comme des sacs. Et... Alors en fait, apparemment, le truc, c'est qu'on disait, ouais, le gardien, il plonge n'importe où, mais en réalité, je crois que, en fait, le gardien, et je m'en suis rendu compte au moment du montage, en fait, et comme souvent à l'époque, beaucoup, quand on testait un truc, qu'on l'écrivait, qu'on le tournait, et qu'ensuite, au moment du montage, j'ai réalisé genre, ah, mais attends, on est complètement con, ça marche pas du tout comme ça. Je faisais genre, oh là là, j'ai rien vu. Mais en réalité, le gardien, il était synchronisé sur les mouvements des joueurs. C'est-à-dire que si le joueur allait à droite, le gardien allait à droite. Si le joueur allait à gauche, le joueur allait à gauche. Ce qui fait qu'en fait, tu contrôlais le gardien et les joueurs en même temps, je crois. Et c'était ça la spécificité du truc. Et or, on disait le truc de, ah, mais je comprends pas comment le gardien il marche. Mais en fait, si, on avait compris comment le gardien marchait, mais on l'avait compris après le tournage du test, en fait. Et bon, ça après, c'est chier. Pas un jeu exceptionnel, et puis je crois que le segment il est très court dans la vidéo. Oui, il est très très court, mais ça. Il est très très court. Mais c'est vrai que c'est un des premiers jeux. Est-ce qu'on peut vraiment juger avec autant de recul un jeu comme ça en vrai? Est-ce qu'on peut vraiment dire maintenant en 2020 ce jeu c'est bien ou ce jeu c'est pas bien? Même moi j'étais trop jeune quand le jeu est sorti, donc en vrai j'ai envie de te dire. C'est entre le pas ouf et c'est pas si mal, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Pas ouf à la limite, parce que bon, c'est vrai qu'ils auraient pu mieux faire et ils ont fait mieux, beaucoup mieux après. Mais ouais, pas ouf. Oui, il y a mieux un jeu de foot sur NES, ouais. Ouais, un peu ouf.
White Man Can't Jump. C'était sur quoi? C'était sur Jaguar CD? C'était non Jaguar, ouais. Pourquoi tu l'avais eu, la Jaguar, d'ailleurs? C'était parce que c'est une amie à moi, ma meilleure amie au collège, qui avait la Jaguar, et on est... Pour être deux, voilà, à avoir cette console dans le sud de la France, eh ben moi j'en ai acheté une. Et t'as acheté ça plutôt que la PlayStation, hein, il faut dire. Effectivement, effectivement. Mais j'attendais la dernière console de Nintendo, donc je me suis dit, ouais, PlayStation, de toute façon, ils font des télé, ils font des platines tourne-disque, machin, ils feront jamais du jeu vidéo, ça sera de la merde et tout. Et donc, voilà, je suis passé à côté de la PlayStation, mais je suis content parce que, voilà, quelque part, voilà. Tout le monde fait le cake en disant, ouais, mais moi j'ai joué à la Play, tout ça. Ouais, mais moi j'étais sur la Jaguar, mec. T'as quand même, ouais, j'ai joué à quand Alien même... versus Predator, le tout premier, sur Jaguar. Ah, White Man Can't Jump, du coup, c'était... Je m'en souviens même plus, tu sais quoi. C'était... Ah oui, non, c'était un jeu dégueulasse. Enfin, c'était pas... C'était des sprites 2D ouais, c'est ça. Avec de la fausse 3D. C'est... Non, c'était dégueulasse. C'était dégueulasse, ouais. C'était... Non, c'est... Ouais, c'était brouillon. C'est ouais. Ça. Ben en fait, c'est ça surtout. C'était brouillon. Ça me fait penser un peu à Virtual Elite. Tu te souviens de ce jeu? Lui, il cumulait par contre. Ouais. Virtual Elite. Virtuel. Les effets sonores qui foiraient. Du coup, White Man Can't Jump, tu le mettrais dans quoi? Moi, j'ai envie de le dire. Petite flaque de paillettes ou gros tas d'arc-en-ciel. Ouais. On est dans les paillettes, ouais. California Games. Tu l'avais eu, toi, California Games? Non, moi j'étais plus track and field sur NES. Je l'avais eu sur Lynx Atari, qui était la première console que j'avais eue et que j'avais. Première console que j'avais cassée aussi, hein, pour l'anecdote. Je l'ai dit plusieurs fois cette anecdote. Mais ouais, ta première console, c'est Lynx Atari, pareil, c'est comme la Jaguar, c'est un truc à foirer. Oui, mais moi on me l'a offert. C'est chez Atari. Moi on me l'a offert, c'est mon père qui me l'avait offert, moi, la Lynx Atari. Et c'était ma première console qui était vraiment à moi, du coup, pour le coup. Et je l'avais cassée parce que je jouais, en fait, on m'avait offert Rigar. Dessus, qui était un jeu extra. En fait, on m'avait offert trois jeux. J'avais eu trois jeux en même temps. J'avais eu Rigar sur Lynx Atari. J'avais eu Hard Drive-In, qui est une purge. C'est de la merde. C'est un des pires jeux qui ait jamais existé sur la Lynx. Et c'était mon premier jeu. Et California Games, du coup. Et California Games était très certainement le moins pourri des trois. Mais les trois étaient nuls à chier. Après, c'est des jeux de sport. Les jeux de sport, c'est un peu difficile à juger quand même. Je crois qu'il y en avait un de sympa, non? Sur les quelques sports jouables. En vrai, avec le recul, je le mettrais presque en c'est pas si mal ou en chiant. C'était, en fait, c'est que c'était un peu mou en fait. T'avais le surf, t'avais le half pipe. T'avais le truc où tu jonglais avec la balle, là, le Togo, je sais pas. Ouais, t'es l'espèce de jeu de bobo là, de San Francisco, hipster, là, le jeu de hipster. Ouais. Ça, c'est California Games 1 que vous voyez, donc t'avais ça, t'avais le jeu, l'espèce de jeu de hipster, hein, là, où tu devais faire rebondir une balle de ping-pong, tel un saltimbanque sur les bords du fleuve de San Francisco. On reconnaît bien Alcatraz, tu vois, le Golden Gate gris. Ouais, complètement, et t'es un mec qui est tout seul comme ça, les bras écartés, qui fait... Attends, footbag, exactement, ça s'appelle le footbag, ouais. Attention. Le footbang pour les douchebangs. Ah, c'est vrai qu'il y avait ça aussi, l'espèce de... où tu faisais du roller sur des trottoirs abîmés. Tu sais, le truc que t'as toujours envie de rêver de faire, oui, dans ta vie. Ouais, le Golden Gate, elle est cool. Ah putain, c'est vrai qu'il y avait ça. Comment est-ce qu'on pourrait rater un lancer à ce point-là? C'est ridicule. Comment tu peux foirer un truc à ce point? C'est génial. Vous savez ce que je déteste dans ces jeux? C'est qu'on t'explique... Ah, c'est le frisbee, d'accord. Le frisbee, c'était génial. Tout démerde-toi pour trouver les touches toi-même. Le frisbee, c'était très drôle. Il a fallu que j'astique la manette pendant une heure. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était sur le frisbee où on galérait... On galérait, oui, et au final, on a réussi à faire quelques lancers, mais quand même au pif. Ah voilà, c'est ce qu'il fallait faire, ça. Pour, ah, oui, régler la puissance, puis de nouveau sur 1 pour le lancer, puis sur 2 pour le rattraper. Et je crois que tu devais et le rattraper encore, à si la fin aussi. Ça, de l'autre côté, il faut que Gertrude la ramasse, le frisbee, et ça, ben, j'y arrive pas. Ouais, ça dans Nanar, en fait. Je sais pas, parce que... Allez, putain, mais pourquoi il peut ça pas peut être rigolo, mais... Peut-être pas toute une soirée, mais... California Games. Alors attends, juste, je veux mettre cet extrait. Le point positif de ce jeu, c'est la page d'intro. Oui, je pourrais faire ça toute la journée. Alors, sachez qu'il existe une version 10 heures de ça. Ah non, c'est 10 minutes. Ah, personne n'a fait la version 10 heures, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Là, c'est bien cut. Combien de vues il y a? 53 vues, merde. Je pense que je vais laisser ça en fond musical. California Games 2, tu veux dire, en nanar? Ouais. Je parce que il y a des situations qui sont débiles, mais voilà. Est-ce que le gameplay est vraiment cassé, ou alors c'est tu provoques ça en jouant comme un nul?
puis c'est un peu rigolo parce que je sais pas. Bah c'est pas ouf en réalité. Pas ouf mais un peu drôle aussi. C'est vrai que le 2 est un peu nanar, notamment avec le ski là qui est trop fou, qui est un peu foiré. Non, c'est vrai que t'as raison, California Games 2 serait un nanar et le premier serait un pas ouf, je dirais. Ouais, faisons ça, oui. Je suis d'accord. Bon, on va arrêter ça. Ah ah, ah, je viens de reconnaître la jaquette, ouais, j'ai évidemment dézoomé. Ah, le pièce du résistance. Tortue Ninja sur NES. La VO est plutôt cool, hein. En plus, j'adore la VO. Sont vraiment ouais, chouettes, ouais. Hein. Ouais, ouais. Le thème du boss, il est trop bien, quoi. Il te mettait vraiment la pression. Et ça, c'est vraiment un jeu, bah, Mindo, ouais, qui un test assez iconique de la chaîne, qui a marqué les gens. C'est à chaque fois qu'on croisait des gens en convention, on nous parlait surtout bien de sûr. Cette vidéo-là. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, faut bien comprendre que Tortue Ninja sur NES a été tout le monde l'a eu. Tout le ouais, monde le premier jeu de beaucoup de monde. Ouais. Ouais, ouais. Tout le monde l'a eu. Si vous aviez eu l'âge d'acheter une NES à l'époque, vous avez ouais. eu Tortue Ninja. Faut voir qu'en fait, c'est comme Mario. En fait, c'est vraiment, c'était du même niveau que Super Mario. Je pense que c'était quasiment aussi vendu que, bon, peut-être pas aussi vendu que Mario. Mais il y avait le bundle Tortue Ninja, mais même c'est si sûr. T'avais le bundle Mario, t'achetais le jeu à côté, quoi, parce que tu voulais le jeu Tortue Ninja, quoi. Bien sûr. C'était non mais hype à l'époque, ouais, ouais. Ton avis à toi, ça serait quoi? Ah ben c'est un mix de plein de choses, un mix du test qui remonte à un bail maintenant, faut creuser un peu dans les souvenirs. Vu que moi j'ai pas fait la revanche, mais il y a de la nostalgie qui joue beaucoup. Honnêtement, quand tu repenses aux mécaniques de jeu et tout, il y a moyen de le réparer le jeu, il y a une base qui est vraiment cool quoi. Y a une base qui fonctionne, tu peux switcher de tortue en tortue, tu peux avoir des armes différentes, t'as des phases vues de dessus, tu sais, avec la world map, après les phases vues sur le côté, enfin... C'est un jeu assez complet, hein. Après il est super dur, faut pas faire n'importe quoi, et, c'est sûr. Et Shredder est tout pourri à la fin quoi. Enfin voilà, il ouais. y a des petits problèmes à droite à gauche, mais... Complètement. Voilà, les monstres aussi sont dégueulasses. Les monstres sont... c'est extrêmement dur, mais en réalité... C'est super dur. Il ouais, y a quelques défauts de... Il y a quelques défauts réellement de gameplay, je pense, au... Au niveau 3, en fait, qui te baise complètement, puisque tu dois ouais. aller... Nous, on a marouflé parce qu'on le connaissait... Enfin, on a appris la strat, quoi. On a compris que tu pouvais te perdre, en fait. Bien sûr. T'allais pas directement à l'objectif et tu crevais. C'est ça, mais en vrai, voilà, le niveau du barrage qui est extrêmement dur, et bon, mais après, bon, c'est pareil. Mais arrêtez, c'est extrêmement dur, mais c'est juste parce que il faut le recommencer plusieurs fois, c'est tout. Mais si jamais tu le refais plusieurs fois, ce niveau du barrage, ça passe, tu vois, c'est... Quand tu le connais par cœur, moi, à fond, je le connaissais par cœur, c'est pour ça que je le passais, bien quoi. Sûr, t'as le couloir de la mort aussi. Le couloir de la... Le fameux couloir de la mort. Alors, quand je parle du couloir de la mort, c'est le truc... Alors, peut-être, si vous avez vu que le test, vous saurez pas de quoi je parle, mais si vous avez vu la revanche, vous saurez exactement de quoi je parle, et les gens qui ont fini le jeu savent exactement de quoi je parle. C'est dans le niveau du Technodrome, je crois que c'est le niveau 5, si je dis pas de bêtises. À un moment, il y a un couloir où il y a deux ennemis volants qui prennent chacun 3 ou 4 coups à tuer, qui repop en boucle, et dès que tu t'éloignes ouais. d'une frame, ils repop. Donc, tu es obligé de... En fait... Tu es obligé à cet endroit du jeu d'avoir le machin qui balance des arcs, qui balance des dégâts en arc et pour faire. Voilà. Donc t'es obligé d'avoir Leonardo et ce truc qui balance des dégâts en arc. En vrai, attention, je vais dire quelque chose de terrible, mais le jeu est pas mauvais. Le jeu est ultra dur, mais il est pas mauvais. Mais c'est vrai que si t'apprends comment fonctionne le jeu et où se trouvent les items, les pizzas aussi, t'as un spot où t'as une pizza qui repompe à l'infini. C'est un peu, c'est comme Dark Souls, là, il faut connaître les patterns et tout. C'est la Dark Soulsisation des Tortues Ninja, quoi. Ouais, mais complètement. Et je veux dire, alors certes, encore une fois, hein, tous les défauts, tout ce qu'on appelle défauts, sont des défauts qui a trait au fait que le jeu est juste dur. Et il est dur, et oui, il est dur à en crever. C'est un jeu qui est extrêmement dur, et encore, c'est pas le plus dur pour l'époque. Mais c'est un jeu qui est extrêmement dur, mais au moins, il reste finissable. Donc, ouais, non, moi, pour moi, dur mais pas mauvais. Hein. Est-ce que dur mais pas mauvais, tu valides? Ouais, je vois pas d'autres catégories qui pourraient correspondre. Allez, bah écoutez. Donc, nous sommes... Il est 21h37. Ouais. Du 20 juillet 2020, il est temps de réhabiliter Tortue Ninja et de lui remettre sa place. Ce jeu n'est pas mauvais. Alors, A-Team, j'en ai aucun souvenir. Ça, c'est deux jeux sur... je crois que c'est des jeux Atari. Ah oui, c'est...
Ouais, c'est les jeux Atari, en vrai, je suis même pas sûr. Moi, j'arriverai pas à les juger. Les jeux Atari. E-Team, tu te souviens, c'est ce jeu où t'avais des bandeaux, là. Et c'est j'ai envie de le mettre d'arnaque parce que le seul truc d'Agent Souris, je crois que c'est une grosse tête de Barracuda. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est une arnaque. En vrai. Mais de toute façon, en vrai, le truc, c'est tous les jeux Atari étaient des arnaques. Hein. Et c'est bien pour ça que le jeu vidéo a failli se casser la gueule lors du crash des jeux vidéo des années 80. Quoi. Donc, pour moi, c'est une arnaque. Hein. C'est une arnaque et c'est comme le jeu de cache-cache, hein, l'espèce de jeu de cache-cache là où tu te caches avec une bite géante, là, t'es en fait, ton bras. Mais c'est pareil, c'est une arnaque aussi. Charlotte aux fraises, c'est la définition d'une arnaque. Ouais. Musclor, c'est pareil. Encore que Musclor, ils ont tenté de faire quelque chose, mais c'est de la merde. Mais non, c'est pareil, c'est une arnaque. Moi, pour tous les jeux Atari, ça va dans arnaque, en fait. Je te propose de tout mettre dans arnaque pour Atari, à la limite. On met tout à la poubelle, là, franchement. Ouais, c'est rien à foutre. Qui va gueuler? Ils sont tous vieux, de toute façon. C'est où ils bossent, ou... À la limite, on peut parler de E.T., ouais. On peut réhabiliter E.T., ouais. Parce que E.T., parlons-en. E.T., si vous tapez n'importe quelle liste de oui, les pires jeux du monde, machin, etc., E.T. va en général être quasiment toujours en haut de la liste. E.T. sur Atari 2600. Voilà, si on moutonne comme tout le monde, on le foutrait en purge divine. Oui. Si on suit la mouvance. Mais on y a joué au jeu et franchement... Franchement, il y avait des jeux Atari qui étaient plus des arnaques que ça. Il peut être un peu frustrant et tout, mais il y a un peu de gameplay, il y a une cohérence par rapport au film, c'est-à-dire une logique. C'est-à-dire que tu dois reconstituer un téléphone. Donc oui. Voilà, ça marche. Et voilà, et t'as le gouvernement qui te poursuit, quoi, sous la forme c'est de ça. Mec hein, en impair. Donc, je rappelle que ça fonctionne comme ça. C'est-à-dire vous êtes sur une map, vous vous déplacez sur la map, des fois, vous pouvez aller à droite, à gauche, machin, etc. Et des fois, vous tombez dans un trou. Et quand vous tombez dans un trou, eh bien, vous devez vous envoler, tout bêtement. Voilà, ce que vous voyez à l'écran, là, le mec, il tombe dans la vie. C'est ça qui est frustrant, c'est quand tu te casses la gueule, en fait. C'est vraiment cette partie-là. C'est ça, et effectivement, et pendant ce temps-là, t'es poursuivi par un mec. Et donc, le but est, eh bien, de récupérer un téléphone, sachant que, bon, bah, des fois, tu vas remonter. Des fois, voilà, on le voit, le mec, il remonte du trou, et hop, paf, il retombe dans le trou, parce que dès qu'il touche le gars, il remonte dans le trou. Mais il y a une tentative... de quelque chose, en fait. Il y a vraiment une tentative de quelque chose. Alors, j'irai pas jusqu'à dire c'est pas si mal. Bon, ça reste derrière. Ouais, on va pas dire que c'est un bon jeu, ouais. Enfin, tout ça pour dire, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas la purge que, voilà, que non. On dit. Non. Clairement, ce jeu ne mérite pas sa position dans le pire jeu qui existe. Ça, tous les gens qui font ça, c'est des moutons qui ont pas joué au jeu. De toute façon, tous les gens qui ont foutu E.T. dans la catégorie de « Vas-y, wesh, c'est le pire jeu du monde », ils n'ont jamais joué à ce putain de jeu. Alors, il est pas dur, parce que le jeu, tu le finis en 5 minutes. Ouais, quand t'appuies le truc, ça va vite. Ouais. Ouais. Franchement, moi, je le mets en chiant. Parce qu'on va dire ce qui est, c'est chiant. C'est, ouais, le fait de se casser la gueule, c'est chiant. Tu t'emmerdes, mais en fait, il est chiant comme je mettrais en chiant n'importe quel jeu de l'époque. C'est surtout que tu le finis vite, c'est répétitif. Tu fais ça pour les points, mais bon, tout le monde s'en bat les couilles des points, mais à l'époque, hein, tu n'avais que ça, les points. Donc, ouais, je le mettrais en chiant, mais si on avait été à l'époque, je l'aurais mis en pas ouf, tu vois. Parce ouais, qu'il est pas ouais, ouf. Ouais. C'est ça, il est pas ouf, en vrai, quoi. Batman et Robin sur PlayStation 1, qui était effroyable. Là, ouais, on va grimper au classement. Là, il est temps de chauffer un peu les... Qui était vraiment effroyable, Batman et Robin sur PS1. Première apparition d'un film effroyable. Ouais. dont le réalisateur est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs. Oh là là, je suis en train de repenser à la scène du casse où tu arrives trop tard si c'est pas la bonne heure et que t'entends la sirène en boucle. C'est ça, ouais. C'est ça, notamment. Attends, je vais remettre l'extrait. L'intro, le passage notamment de l'intro aussi qui était chiant à crever là avec le tuto rempli de fautes incompréhensibles où tu t'emmerdes trop. Dans le manoir Wayne, ouais. Ouais, mais le tuto dans le manoir Wayne avec. Où tu finis dans la piscine, exactement. Il y avait un truc un petit peu Lara Croft dans Tomb Raider, où tu es de l'entraînement au manoir. Sauf que du coup, t'es pas du tout enfermé Alfred dans le frigo. Ouais, c'est ça. Dommage. Mais du coup, effectivement, le plus gros problème de ce jeu, de Batman et Robin, alors bon, tu pouvais jouer Batgirl, Robin ou Batman, mais bon, les deux autres, ils étaient complètement inutiles. Mais c'est surtout que déjà, c'était sombre. Rappelle-toi, on n'y voyait rien, mais rien. Ouais. Et pourtant, t'avais beau monter la luminosité à fond, t'y voyais rien. La caméra était dégueulasse. Et surtout, t'avais ce truc incompréhensible de...
de tempo là où t'avais les événements qui se déroulaient même quand t'étais pas là, machin, etc. Ouais, et des fois t'arrivais après un casse, mais tu sais pas pourquoi. Alors t'étais là, tu restais planté comme un con devant la banque parce que ça te disait la banque va être cambriolée à 21h, mais en réalité il y avait le truc aussi que l'événement ne se produit pas en direct. Si le cambriolage doit avoir lieu à 21h mais que tu es dans la banque à 20h59, eh bien si tu restes 4 heures, le cambriolage ne va pas avoir lieu, tu es obligé de sortir de la banque et de re-rentrer pour... Oui, oui. On avait fait toutes les expériences en plus pour tester, pour voir. Ouais, non, c'est effroyable. Non, c'est de la merde. C'est de la merde. Et puis il y avait surtout ce passage là qui m'a fait péter des câbles. Même dans le revanche, j'ai pas réussi à le faire en revanche. Celui-là, il m'a vraiment, vraiment emmerdé. Attends, mais c'est ça. Voilà. Pas des phases en véhicule aussi. Ce son là, attends, mais. Ah, moi, je pendant pas, la totalité du niveau du début à la fin, vous entendez ça. On avait trouvé le bon sweet spot où il y avait. Ils ont pété les plombs. C'est t'entends ça pendant, mais vraiment, je me souviens dans la revanche, ça m'était arrivé où t'entendais ça pendant, mais des heures, t'entendais le son de l'alarme pendant des heures, tu devenais fou. C'est un gros trou qui sent pas bon. Ouais, ouais, là on est complètement dans les orifices, ouais. Non, c'est un orifice, hein. Alors, un gros tas d'arc-en-ciel ou un gros trou qui sent pas bon? Moi, j'ai envie de dire, c'est quand même un... Je trouve le trou sent pas bon. Ouais, oui, bien sûr. Le trou sent pas bon, bien sûr, allez. Alf! Alf que j'avais essayé de faire en revanche, mais j'ai... C'est chiant. En fait, là, pour le coup, le jeu est chiant. Mais alors, le truc... Rappelle-toi, Alf. Le truc où, genre, tu achètes un item... Et le jeu fait MDR, tu repars au début, connard. T'en oui, rappelles, oui, ça oui, oui, oui. Oui, oui, ça, ce doigt d'honneur-là, ouais, non, il faut pas faire ça. Non, non, non. Oui, parce que bon, certes, il y aurait pas ça, ça aurait été chiant direct. Mais, ouais, il y avait ça. Il y avait le truc où t'as le coup du bouquin, où t'achètes le bouquin, et c'est les développeurs. C'est même pas genre le jeu te fait « Ah, c'est un bouquin maudit, machin, et mes couilles, etc. Ouais, » Non, ouais. C'était signé en plus les développeurs. Ouais. C'est signé les développeurs qui te font un gros doigt d'honneur et font bah, tu repars au début. C'est l'épisode la fin de Half, c'est ça. Alors je ne peux malheureusement pas activer le son, donc imaginez-le dans votre tête, mais en gros ça fait ouais. Le truc c'est que je ne peux pas le mettre parce que Monsieur YouTube nous surveille. mais en gros c'était ça, voilà. Ah ben voilà, c'était le fameux. J'étais très fier d'avoir réussi à faire ça avec un salami. Mais vraiment, j'étais extrêmement fier. Pour l'anecdote, en vrai, le machin m'a complètement échappé des mains. Là, au moment où je fais ça... Ah, j'ai oublié cette fin. Oui. D'ailleurs, c'est un rouleau de sopalin. Je le mets dans un rouleau de sopalin, le salami. Et qui était parfaitement à la taille du truc. Hein. Qui était parfaitement nickel. À la taille du truc et qui était accroché avec une ficelle qui servait à attacher du rôti, normalement. Donc, des gros moyens, vraiment des très très gros moyens dans cet épisode. Et oui, ouais, la jaquette aussi, je l'ai imprimée parce qu'on n'avait pas réussi, en loose. C'est vrai, il est temps de vous révéler quelque chose, c'est qu'en fait, le jeu Alf, en réalité, on ne l'a pas. En réalité, on ne l'a pas et on ne l'a jamais eu, même j'ai envie de dire. Parce que bon, on y jouait sur émulateur pour la vidéo. De toute façon, on capture tout sur émulateur pour avoir une meilleure qualité de vidéo. Mais c'est que en réalité, on n'avait pas beaucoup de thunes encore à cette époque. Et le jeu Alf, on l'avait trouvé en fait en Espagne. Mais c'était genre parce qu'il est extrêmement rare. On l'avait trouvé en Espagne à quelque chose comme 350 €. Ouais. Et du coup, on n'était pas payé du tout en plus à l'époque. Hein. On n'était pas payé, on gagnait pas d'argent. Les thunes de YouTube. Hein. Ouais, c'est ouais. Ça. Et du coup, en fait, on n'avait pas les moyens d'acheter 350 € un jeu, quoi. Et du coup, eh bien, on a juste imprimé la jaquette qu'on a collée dans une autre jaquette, du coup, pour faire genre « Oh, MDR, regardez, on a Alf !» Alors que non, on n'avait pas le jeu. Voilà. Ça marche, voilà. Hein, l'illusion. Et ça arrivait plusieurs fois. Ça arrivait plusieurs fois, effectivement. Pas des dizaines de fois, mais ça a dû arriver 4-5 fois, à peu près, quand même, en 11 ans. Où on a imprimé la jaquette parce qu'on n'avait pas le jeu. Voilà. Désolé. Désolé, la magie s'estompe, effectivement. Alors, concernant le jeu lui-même, toi, tu le mettrais où, toi ? C'est très chiant. J'ai presque envie de créer une catégorie, quoi. Entre pas ouf et chiant. Non, on peut même le mettre en paillette, je pense. Hein. En paillette, tu crois ? Ouais. Bah, c'est vrai qu'il était... Ouais, non, t'as raison. Au moins pour ce côté-là, les développeurs qui te tuent instantanément, tu vois. Ouais, t'as raison.
Payet. C'est vraiment un geste de Payet, ça. T'as raison, Payet. Ah oui. Time Cop. Ah oui, oui, oui. Time Cop, l'excellent film avec... Là aussi, de Jean-Claude, avec Jean-Claude Van Damme. Avec Jean-Claude Van Damme, évidemment. Je vous remets les images pour rappel. Donc Time Cop. Et la BO du jeu qui est composée par David de Brutola, ce bon vieux David Cage. Ah oui. Ah oui, oui, cette fameuse musique qui fait... Ah, c'est David Cage qui a composé ça? Oui, oui, oui. Oui, monsieur. Ah putain, c'est ouf. Attends, je vais le mettre pour les gens. Et du coup, ce morceau, pareil, qui est fredonné, qui est sur l'album d'Adidou, je pense. Qui est... Ouais, il aime pas trop en parler, quoi. Aussi, de... Mais il faudrait lui dédicacer un jour si on le croise, Time Cop. Ou Super sûr. Danny, je crois qu'il a fait la BO de Super Danny. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. Qu'on n'a jamais, traité dans vidéo. On avait failli, il me semble, non? Pour faire une spéciale marque. Alors là, je précise... Putain, je chantais une musique de David Cage, quoi. Ouais, exactement. Jeu d'action, quoi. Alors là, je précise. Incroyable. Le souvenir du jeu, c'était chiant. Mais ça, je vais le dire pour tous les jeux, j'ai l'impression. Ouais, alors, souvenir du jeu, c'est. Rappelons-nous de la fin, hein, surtout. Si vous n'avez aucun souvenir du jeu, au moins rappelez-vous de la fin. Fin de ouf. Oui, la fin. La fin, elle est géniale. C'est ça. Ben voilà, en direct sur votre écran. Voilà, voilà, voilà. Un excellent... Putain, bon, c'était de la merde. Hein. C'était de la merde, comme presque tous les jeux à base de persos digitalisés à l'époque. C'est minimum, pour moi, une petite flaque de... C'est une petite flaque de paillettes, en fait. C'est, ouais. C'est... J'ai même pas envie d'aller plus haut qu'une petite flaque de paillettes parce que... c'est pas assez complet pour vraiment juger plus que ça. Bon, ouais. C'est pas bien chiant et vide, ouais, c'est paillette. Hein. Dans le même jeu, Rex Ronan, que j'avais fait en revanche. Rex Ronan. Ouais, là, c'était plus le pitch, la situation. Même si c'était super dur aussi, il me semble. Le jeu était... Mais en fait, surtout, t'avais pas envie de le finir, parce que tu... À force de nettoyer, le mec, il était en ruine à l'intérieur. T'sais, il avait des, littéralement des gaufres dans l'œsophage, quoi. Tu vois. Enfin, ouais, ouais. Le mec, il a 8 cancers. Non, c'est au bout d'un moment, faut tirer la prise. Mais ouais. Mais c'est une forme de patounage parce qu'il faut tout nettoyer dans un temps imparti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, ouais. Puis c'est vrai, c'est ces trucs de, ouais, c'est ça. Alors, quand tu devais tout nettoyer là, tu t'en pouvais plus, vraiment. Surtout quoi, il y a des stages où ça repoussait, il me semble. C'est-à-dire, tu pars à droite, tu nettoies, tu vas à gauche, tu reviens à droite, ça repoussait, c'est revenu. Ouais, ouais, c'est ça. Et puis t'avais aussi ce côté. Rappelle-toi ce passage là où tu devais nettoyer. Tu devais nettoyer un infractus ou un truc qui était bouché par du gras et genre le machin repoussait au fur et à mesure comme si le mec il mangeait des hamburgers en même temps que... C'est ça. Moi j'aurais bien aimé voir la fin du jeu. Tu sais, il voit l'huile de la friteuse, ça colle sur lui. T'es en train de lui faire un pontage et pendant ce temps-là, il va mouh, la bonne huile tournesol. Mais ouais, c'était chiant. Mais t'as raison, c'est un peu un jeu à patoune en vrai. C'est un peu un jeu à patounes. Je le mettrais en petite flaque de paillettes aussi, pareil. Même niveau. Ouais, 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 ouais. Parce que ça reste pas très bien, quand même. Captain Diabète. Captain Diabète, j'ai oublié. C'est Captain Novoline, hein, c'est ça le vrai nom. Novoline, Captain, ouais. Captain Novoline. Du coup, Captain Novoline. Novoline. Qui était, pour rappel, du coup, un jeu consacré. Un jeu pour les. Qui était normalement donné par les médecins. Rappelle-toi, on avait collé ces trois panneaux sur le mur au-dessus de mon... C'est juste pour faire genre, oui, c'est un hôpital. Ah merde, attends, j'ai pas vu l'extrait. Attends, l'extrait, c'est ça. On voulait faire genre, oui, attention, là, on est dans un hôpital, les murs sont blancs, il y a des panneaux sur le mur. On avait juste poussé mon canapé, foutu trois panneaux, et voilà. C'est un hôpital. Allez, salut ma couille. On fait exactement pareil pour la vidéo des 10 ans. Pas de moyens. Avec du coup le gros médecin obèse qui te donne des conseils de diététique. Ouais, du coup, Captain Novoline, qui était un jeu qui était donné par les, qui était donné par les médecins, qui avait pas réellement cours en France, je crois, même si on a trouvé une version française. Même si on a trouvé une version française derrière mes genoux, je sais pas s'il était réellement distribué par les médecins. Du coup, Captain Novoline, c'est chiant, hein, le jeu c'était vraiment de la plateforme chiante. Ouais, c'est sans intérêt, quoi, franchement. Ouais, c'est ça.
Chiant. Link, Face of Evil. Alors, ah, joli morceau celui-là. Non, il est effroyable. Ça, c'est, on est vraiment. Je sais pas si. Ouais, moi j'ai envie de le mettre dans Purge parce que voilà, ça détruit quand même une saga. Pour tout ce que ça. Tout le mal qu'il a apporté dans son sillage, j'ai envie de le mettre tout en haut. Mais. Même si t'analyses froidement, on en met tout, quoi. Y a... Il pourrait aussi. Pour ses cinématiques, il pourrait aller dans Nana. Voilà. Il y a ça aussi. Y a... Ouais, non, mais il n'y a pas que ça. Non, mais il y a tout dedans, en fait. Il y a le côté Nana, mais le gameplay est raté, quoi. Link Face of Evil, évidemment. Tout le monde, même les gens qui n'ont jamais joué à Link Face of Evil ou qui ne s'intéressent pas du tout au rétro, ont forcément vu Link Face of Evil, des cinématiques de Link Face of Evil. Pourquoi ? Parce que, évidemment, je le répète, tout le monde le sait, mais c'est très connu essentiellement pour son côté. Pour les YouTube Poop, en fait, hein, parce que rappelez-vous des cinématiques. Et les mêmes aussi, c'est devenu des mêmes. C'est devenu des mêmes, c'est littéralement, ouais, c'est, ça fait partie des. Ça fait partie des premiers mêmes et ça fait partie de la base des YouTube Poop, en fait. Et français aussi, hein, pour sa VF aussi. Qui est... Et en français, bien sûr. Non, c'est ni fait ni à faire, c'est tellement raté. Squalala, le gameplay, je sais qui. Ouais, voilà, il y a des trucs cultes. Mais je sais quoi, il y a la phase où il faut farmer, enfin, ouais, le jeu est vraiment cassé. C'est alors, vraiment nul. Alors, c'est vrai que pour l'anecdote, on y avait joué sur la console parce que la CDI ne s'émule pas. D'ailleurs, on avait acheté un émulateur CDI sur le net pour quelque chose genre 50 euros. On avait trouvé un mec qui disait « Ouais, j'ai fait un émulateur CDI ». On avait filé de l'argent à ce type via PayPal pour qu'il ne nous donne jamais... On n'a jamais eu la clé. On n'a jamais eu la clé de cet émulateur CDI. Bon... Ben maintenant, on en rigole, mais à l'époque, 50 balles, c'était un investissement. Pour... complètement. Mais du coup, ouais, on s'est fait Scamed. Scamed sur un émulateur CDI. Franchement, je pense qu'il n'a pas eu beaucoup de... Il a dû se dire, oh putain, ça marche. Ça y est, c'est parti. Hein, qui disait que c'était une mauvaise idée, hein? Vous allez voir quand j'aurai ma piscine à Malibu. Il y a des gens qui font les bitcoins, il y a des gens qui font des émulateurs CDI. Je me rappelle que je l'ai fini parce qu'on était quasiment à la fin et tu devais rentrer chez toi. Je me rappelle que tu venais à la maison pour bosser. Et on pouvait éteindre la console. Je me suis dit, non, si je l'éteins, c'est fini. Je suis au bout de la route, tu vois. C'est Sam qui porte Frodon, quoi. Je disais, oh, on y va jusqu'au bout. Et voilà, juste battu le boss de fin, juste pour dire que je l'ai fait, mais ça mais dans quel état? Mais au fond de moi, ouais, il fallait que je brise le cercle, quoi. Il y avait un truc. Non, c'est effroyable. Et puis on peut englober Wand of Gamelon, qui quand même, c'est le même, en fait. Qu'on n'a pas fait. Mais c'est... On a un petit peu essayé, je crois. Mais on l'a acheté aussi. Ouais, on avait acheté les deux jeux de 200 balles, je crois. Ça coûtait une fortune, mon gars. C'était trop cher. Je crois que c'était 150 euros le jeu, même 250 euros le jeu sur eBay. Ouais. Enfin, c'était une fortune pour une merde, en plus. On n'avait pas de solution, parce qu'on venait de perdre 50 balles à cause de l'émulateur qu'on a reçu. C'est ça. Donc, on a dépensé les sous de l'émulateur. Plus derrière, il fallait acheter le jeu à 200 euros pièce. On était là. Ah bah en plus on a une musique de Zelda qui pense en fond. Ne serait-ce pas une purge divine? Ouais, franchement, ouais. Je m'en remets à toi parce que ouais, y avait le côté subjectif, mais. C'est à minima un trou qui sent pas bon. C'est à minima. Ouais. Oui. Il peut pas. Mais est-ce que c'est une purge divine? Parce que ça reste un jeu en termes de gameplay. Bon, il y avait ce truc de genre où il y avait un délai, tu sais, dans le shield, je sais pas si tu te souviens, c'est que quand tu voulais bloquer un truc avec le shield, fallait t'arrêter, mais il levait le shield qu'au bout d'une demi-seconde, machin. On y a joué aussi à la télécommande, le code de la route. Parce qu'il y a pas de manette. On n'avait pas de manette. Je viens d'y penser maintenant, ouais. Il y a ça, il y avait un pad CD qui existait. On y a joué à la télécommande qui sert à passer le permis. Oui. Parce que la console, la CDI, ça servait normalement à passer des trucs, genre à passer le code. Non, mais ça va en purge, ça. Ne serait-ce que pour le passif, en fait, de tout ce qui va autour. Toute l'aura du jeu. Non, c'est vrai. Il a sa place au Panthéon, celui-là. Ah, il faut pas faire les difficiles. Là, pour un jeu de plateforme, c'est vraiment dégueulasse. Pour une licence Zelda, c'est vraiment dégueulasse. Pour la cinématique est dégueulasse. L'histoire est dégueulasse. Le gameplay est dégueulasse. Et tout ce qu'on a vécu pour le test. Ouais, et tout ce qu'on a vécu pour le test, c'est dégueulasse. En plus, le jeu coûte beaucoup trop cher. Ah non, et puis bon, on est 100% commu ici. On respecte la commu, donc
Ça mérite sa place en purge divine. Spirou, un autre jeu infogramme. Spirou, en fait, le truc, c'est... Bon, après, je suis beaucoup moins fan de Spirou que j'ai toujours trouvé que Spirou, c'était un espèce de Tintin au rabais. J'aime pas Spirou, j'aime pas son look, j'aime pas les aventures de Spirou, j'aime pas les BD de Spirou. Et Fantasio, ouais, pareil, je le trouve infiniment mieux dans Gaston Lagaffe que dans Spirou. Je trouve que Spirou, mais après c'est peut-être moi, je le trouvais moins bien parce que je le trouvais plus random en fait. Je le trouvais après, vraiment c'est pas... plus... C'est pas un album qui est adapté, non, Spirou? Parce que Tintin au Tibet, c'est Tintin au Tibet, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Tintin au Tibet, c'était un album. Spirou, c'était juste Spirou. Et du coup, en fait, le truc, c'est dans le jeu Spirou, t'avais des niveaux qui étaient beaucoup plus génériques, en fait. T'avais l'usine, t'avais le magasin de jouets, ou... Moi, personnellement, je le mettrais en pas ouf. Je le mettrais un cran plus mauvais que Tintin, parce que plus random, en fait. Moins fun. Moi, je sais qu'il y a des phases de placement, et je me rappelle du boss aussi, on a eu du mal à capter comment le buter, parce qu'il n'y avait aucune réaction, en fait. Ouais, il y avait des petits problèmes comme ça, effectivement, où t'avais des boss qui n'indiquaient pas quand ils prenaient des coups, et c'était un peu chiant. Mais après, faut pas déconner, c'est pas un mauvais jeu. C'était juste un jeu de plateforme un peu chiant, en vrai. Ouais, c'était dur, quand même. Et il y avait d'ailleurs, on avait dit, je crois qu'on avait dit, alors, on n'a jamais su clairement si c'était un problème d'émulateur ou pas, mais il y avait des problèmes de plateforme dans lesquelles on passait à travers. Et c'était bizarre. On a essayé de tester sur la console, c'était pas clair, en fait. Mais, enfin, je le mettrais en pas ouf sur 20, moi, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, mais j'ai envie d'être plus méchant, moi, en fait. J'hésite à le mettre en paillette, moi, carrément. En paillette, carrément. Après, il doit être en dessous des autres, donc... Ram, on y retrouve tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients des jeux précédents. Si et je là, mets, même, voilà... Bon, on voit, de toute façon, on voit au niveau graphisme, c'est du classique infographe, mais je sais pas, c'est plus moche, en vrai. Là, moi, clairement, ça vaut pas un Tintin au Tibet, ou un Schtroumpf. Les Schtroumpfs, je trouve ça beaucoup plus joli. Et puis ces passages-là qu'on voit, ça, c'est vraiment un jeu vidéo... Alors bon, il y a des passages dans la rue qui sont un peu jolis, il y a du joli pixel art, mais c'est plus random, c'est plus OSF, et puis tu dois ramasser les chapeaux, là il y a un côté patoun un peu chiant, tu sais... Enfin, je sais pas... Ouais, j'aime pas du tout, moi. Allez, petite fac de paillettes. Infiltrator sur NES, c'est ça. Du coup. C'est ça, c'est ça. Donc c'était le fameux truc qu'on avait un peu parodié, y a-t-il un pilote dans l'avion, avec la scène de ça fait bip et ça fait flash. Donc il était un jeu où après on n'était pas très bon, hein, on en rajoutait un petit peu, mais c'est vrai qu'il y avait les phases, mais c'était limite du donjon crawler. T'avais des dans les pièces. Ouais, c'était un peu ça. Je vais remettre des images pour les gens. Infiltrator. Mais le jeu était original. Tu avais les phases qui étaient en phase d'hélicoptère, en quelque sorte. Ouais. Et tu avais ensuite les... voilà, je vous remets des images. Hop, voilà. Les phases d'infiltration où tu voyais ton personnage. C'est ça, tu avais ces phases-là où tu contrôlais cette espèce de paquebot qui était un hélicoptère, mais où on comprenait rien. On comprenait vraiment rien. Ouais, ouais. Même avec le livret, c'est ça. Et pourtant, on a essayé avec le livret, il n'y avait rien à faire, on ne comprenait rien. Et ensuite, tu alternais dans des espèces de phases un petit peu plus où tu étais au sol, en gros, et tu devais, bah, du coup, t'infiltrer, infiltrator, machin, où t'avais des mines. Mais alors, apparemment, là, on était cons, c'est qu'il fallait utiliser le... Vous avez découvert une mine, bien sûr, j'ai explosé sur une mine. Où il fallait... le mec, il atterrit dans un champ de mines, déjà, le tuyau de base. Mais où il fallait, du coup, découvrir... il fallait... C'est ça, donc t'avais cette espèce, comme tu dis, de dungeon crawler, il fallait s'infiltrer, les donjons étaient immenses. C'était compliqué quand même. C'était assez complexe. Ouais, fallait fouiller, c'était un peu du Metal Gear, quoi. Ouais, ouais, mais c'est vrai que pour un jeunesse, c'est quand même impressionnant. Je me souviens qu'il y avait plein de problèmes, les phases d'hélicoptère, c'était incompréhensible, enfin les... Et puis, je me tâtais, je me dis, est-ce que c'est dans la difficulté ou est-ce que c'est mal foutu, quoi. Les phases de donjon, on comprenait rien, mec. Hein. Les phases de donjon, c'était super dur, en fait. Hein. Les mecs, ils t'arrêtaient tout le temps et tu te faisais arrêter dans toutes les pièces. Dans toutes les pièces, t'avais un garde qui faisait « Halt !» Tu sais, c'est genre, imagine, t'es militaire, t'es dans ta base et chaque fois que tu passes une pièce, t'as les mecs qui font « Halt, vos papiers !» Tu fais « Ouais, c'est bon, ça va, on va pas faire ça tout le temps. » Pas ouf, ouais. Allez, je vais friser sur cette image. ok, allez, pas ouf. Pas ouf sur 20. Dragon Slayer sur NES.
Alors là, bah ouais, je te laisse partir là-dessus. Que j'ai refait en revanche, hein, évidemment. En vrai, il y a pas de question. Il y a même pas de. En vrai, c'est con, mais il y a même pas de discussion. Il y a rien à dire là. C'est la purge directe. Ouais. Je pense que c'est unanime. Ouais. C'est la purge directe. C'est de très loin le pire jeu qu'on ait jamais fait. De très très loin le pire jeu qu'on ait jamais fait. En termes de tout, en termes de bugs, en termes de d'incompréhension, en termes de difficultés, ouais. C'est le pire des portages. C'est le pire des portages. La version française est dégueulasse en 50 Hz. C'est voilà. C'est infaisable. Tu te soft-bloques aussi. Tu peux te soft-bloquer. Tu peux te soft-bloquer, ce qui est inadmissible dans un jeu. Oui. Non, c'est une purge. C'est une purge. C'est con, hein, mais les jeux évidents comme ça, c'est presque ceux où on va le moins discuter, en fait. Parce que là, pour le coup. C'est vrai que moi, j'ai aucun contre-argument. Hein. C'est... Non. Et puis, toute l'aura qui est autour du vrai jeu Dragon Slayer, ça, c'est l'enfant malade, tu vois. C'est le rejeton qu'il a essayé de marquer. The Immortal, on l'avait à peine testé, celui-là. Sur Mega Drive. Le truc qui est rigolo en plus, c'est que récemment, là, pour ceux qui sont abonnés au Nintendo Online, qui sont Yankee comme moi, ils te filent actuellement The Immortal sur NES. Ah ouais. Et moi, j'étais perdu. Ouais. Et donc, c'est la version encore plus cheap que celle-là. Parce que dans celle-là, il y avait un peu de gore. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait des animations quand tu tuais un ennemi qui était hyper crado. Mais le jeu était pas ouf, hein. C'était pas terrible. Ben en fait, on n'y a pas joué très longtemps en réalité. Ben je sais que c'était juste pour la mise en scène en fait, en mode enfance du rond, tu joues à ça et puis c'était même pas un test. Exactement, je crois que c'était juste une intro où effectivement on en parle à toute vitesse. Le jeu est terriblement long, a l'air terriblement long aussi. Hein. C'est, en plus, il y a des pavés de texte. Les combats, on comprenait rien. Les combats, on n'a rien compris, vraiment. Mais c'était super dur, c'était piégé de partout, tu crevais tout le temps. Ouais, t'avais surtout beaucoup de pièges où c'est juste, tu marches sur tu marches sur le mauvais carré et passe, tu meurs. Et t'es là en mode, ah, ok, bon, bah nique ta mère alors. Moi, je le mettrais en... Le peu que j'y ai joué, je le mettrais en pas ouf, mais j'y ai pas assez joué pour vraiment le juger en fait. Pareil, ouais. Et surtout que, ouais, comme je me dis, Nintendo, il offre. Est-ce que c'est un jeu culte ? Parce que je sais pas. Il y a une aura autour de ce jeu. J'en sais rien du tout. Je te propose de le mettre en pas ouf. Pas ouf, ouais. Ouais. Allez, Legend of Phorezia. Alors, Legend of Phorezia, qu'on a juste abordé pour le côté nanar des dialogues. La VF, ouais. Pour le côté nanar de la VF que je vais remettre tout de suite. Of Phorezia V. Waouh, c'est incroyable. Voilà, attendez. Oh. Alors, qu'est-ce que tu attends pour le balancer ? Il n'en est pas question, mais... Mais qu'est-ce que... c'est à vous, ce truc ? Vous ne voulez pas me le vendre ? Je l'achète tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous en dites ? Il n'y a rien qui va, c'est vraiment... Mais après, le jeu en lui-même, je suis même pas sûr qu'on l'ait réellement essayé. Je crois que c'était JRPG, mais pas... Ouais, c'est ce que je regarde, c'est du hack and slash, et c'est plutôt bien noté. Ouais, je pense que c'est... On peut, c'est un petit peu long aussi, parce que... On va le mettre en c'est pas si mal, hein, à mon avis. On n'avait pas une catégorie des jeux qu'on mettait, qu'on n'arrivait pas à noter. Ouais, c'est non, plus... c'est vrai qu'on l'a pas noté en fait. Celui-là, barré, je peux juste ne pas le noter, hein, tout simplement. Parce que là, c'est juste la blague des doublages en fait. C'était juste pour la blague des doublages, effectivement. Donjons et dragons. Alors, je vous remets quelques images, pas tirées du JDG du coup, pour le coup. Pour juste vous rappeler à quoi ça ressemblait. Ça ressemblait à ça. C'était un peu chiant. Hein, c'était un peu chiant. C'est juste que, en gros, le jeu était lent, en fait. Le jeu était lent et tu passais une éternité... C'était un peu dans dur aussi. Bah, en fait, dur parce que tu passais une éternité dans l'inventaire et qu'en réalité, pour être efficace, il aurait juste fallu switcher de l'un à l'autre. Ouais, voilà, pour le bon perso à chaque fois. Ouais. C'est ça, pour sortir le bon perso, sortir le perso qui a la bonne allonge, vas-y, tu sors... le personnage qui a la boule de feu, c'était trop chiant, quoi. Fallait faire plein de combinaisons dans les menus. Pour sortir une boule de feu, il fallait genre passer 40 secondes dans les menus, en fait.
Et rien que pour équiper un item, c'était un truc de fou. Tu ramassais un item, il te fallait 20 minutes pour l'équiper. Fallait que tu sélectionnes l'item, machin, tu le ramasses, tu vas dans l'inventaire, tu l'équipes sur toi, tu le sors de l'inventaire. Non. Autant faire du JDR papier. Oui, vraiment, vraiment. Vraiment, pour le coup, un JDR papier. Je pense qu'en vrai, tu vas plus vite dans un JDR papier. Non, c'est chiant. Je pense que ça, pour moi, c'est chiant. Ouais, dans chiant. Ouais, chiant. Draken, parce que bon, faut comprendre que des fois, dans les JDG, en fait, on ne met un jeu que pour une vanne, en fait. Et c'est juste parce qu'on a vu un truc, ça nous a fait marrer, et du coup, on se dit, ah, vas-y, on va foutre... Mais en réalité, le jeu est pas si moche que ça. Et il y a un petit côté original quand même avec et puis notamment ce machin qui utilisait les capacités de la Super NES là à l'époque avec cet ersatz de 3D qui quand même pour le coup pour l'époque avait de la gueule hein. Quand tu vois ça quand même t'es impressionné. Seb, j'ai pas de conneries. Le mode 7 ouais. Quand tu vois cette espèce de mode 7 et cette utilisation de mode 7 t'es quand même relativement impressionné. C'est quand même pas moche. On est quand même sur Super NES hein, là à l'époque je rappelle. Ouais. Le pathfinding était aux fraises, par contre. Ouais. C'est ce qui causait la mort de tes personnages très souvent. Quand tu te bats, en fait, quand tu te battais à côté d'une rivière, bah, tes joueurs se noyaient. En fait, parce que comme tes joueurs avaient tendance à courir partout, bah, forcément ils se noyaient. J'ai envie de dire c'est pas si mal. Ouais, parce que je suis en train d'essayer de repenser au jeu, mais je pense que ouais, on n'a pas passé énormément de temps dessus. On n'a pas passé assez dessus pour réellement le juger. Ouais, je pense qu'en le creusant... Mais on l'aurait creusé, peut-être qu'on aurait trouvé pas ça trop mal. Bon allez, c'est pas si mal, ouais. Ouais. Ah, alors par contre, Virtual Idlid. Ah ouais, celui-là. Ah, il était beau, celui-là. Ah, magnifique. Celui-là, il était goldé. Un des rares jeux Saturn, c'est ça, ouais. Qu'on a dû faire sur la console aussi. C'est vrai qu'on a fait très peu de jeux sur Saturn. Hein, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeux. Il n'y avait pas beaucoup de jeux de base sur Saturn, mais il n'y avait pas beaucoup de jeux qui méritaient d'être dans un JDG sur Saturn. Qu'est-ce qui ramait celui-là, putain. C'était dégueulasse. Après, bon, c'était parce qu'on rappelle que le système d'encombrement faisait que plus ton personnage était encombré, plus le jeu diminuait les FPS pour te montrer que tu es encombré. Moi j'adore, c'est quoi? C'était un vampire, non? Le boss qui parlait comme un mec bourré. Ouais. On comprenait rien ce qu'il disait, mais c'est ça. Et puis, effectivement, le jeu ramait dégueulasse. Et tu avais surtout les... C'était pas de la vraie 3D en réalité, c'était des sprites 2D qui pivotaient pour toujours faire face à la caméra en fait. Ouais, effectivement, ouais. Je me souviens que le décor était en 3D, mais tous les éléments étaient en 2D en fait et juste s'orientaient pour... Là, ce qu'on voyait, c'était du... Allez, 4-5 FPS quoi, pas plus. C'était vraiment... Ouais, t'as le petit poids qui clignote, mais ouais, non, c'était effroyable. Et ouais, là, c'est censé être une armure de cuir, mais on dirait ouais un cosplay en carton de Gundam, ouais, quoi. C'était vraiment du carton. Mais là, je me demande si c'était pas vraiment du carton qu'ils ont foutu sur l'acteur, t'es genre en mode, tiens, voilà ton armure, t'sais. J'ai l'impression, ouais. Ah, c'était super dur aussi, c'était galère. Et puis c'est assez long, ça durait une éternité. Et rappelle-toi, tu devais trouver trois fées pour reconstituer un truc qui ressemblait à la Triforce. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est une purge divine ou c'est un gros trou qui sent pas bon? C'est peut-être pas forcément une purge divine, mais... Ah, divin, non, ouais, il a pas atteint le... Ouais, non. Le Super Saiyajin God, Super Saiyajin... Ça reste non, quand même... On est dans l'orifice, là, on est dans... On est dans le trou, là. On est dans le trou, on est bien dans le trou, bien sûr. Airwolf, sur Amstrad 464. Alors là, c'est chaud, parce que ouais, le gameplay est ultra basique. Oui, mais... C'est la difficulté, en fait. Et le jeu est buggé. Donc le jeu n'est pas finissable. Le jeu est sorti en étant infinissable. Ouais. On peut pas le finir. Ça rentre dans une arnaque, ça. Je sais pas. En même temps, le jeu est tellement dur que tu peux pas le savoir. Faut aller vraiment être quasiment au bout pour se rendre compte. C'est absurdement dur, vraiment pour le coup. C'est vraiment absurdement dur. On a tout testé, au joystick, au clavier, non c'était... Au OTAS, j'y ai joué au OTAS. Au OTAS, ouais. À Airwolf. On l'a fait en revanche en plus, il me semble, non? Ouais, on l'a fait en revanche, ouais. On l'a fait en revanche au OTAS, justement, avec mon OTAS destiné à Star Citizen, j'ai joué à Airwolf sur... Pareil, t'as pas qu'à ça à rien. J'ai rentabilisé... Un jeu qui est pas fini aussi. Il y a un peu d'histoire d'amessibilité,
C'est vrai qu'il y a une constante entre les deux, effectivement. Donc ouais, Airwolf, pour rappel, ça ressemblait à ça, du coup. Mais il y avait la musique. Il y avait la musique tout le temps. Il y avait le même thème musical en boucle. Où tu pétais des câbles à devoir tuer le dernier pixel d'un truc. Et dès que tu frottais un machin, tu allais t'exploser. C'est entre l'arnaque et la purge, en fait. Quoi. Tu peux pas lui donner un classement normal. Tu peux pas dire « Oh, c'est dur » ou « C'est de la merde ». Ouais, je suis d'accord. C'est pour ça que j'hésitais à le mettre en arnaque. Mais ouais, en même temps, c'est super dur. C'est une arnaque, mais c'est... Parce qu'en fait, il y a ultra dur mais pas mauvais, et il y a ultra dur et vraiment à chier, en fait. Là, tu vois, est-ce que c'est la vraie question ? Est-ce que c'est une purge ou est-ce que c'est une arnaque, d'après toi ? Le problème, c'est qu'arnaque, ça sonne pas assez fort dans mes oreilles, quoi. Purge. Ouais, c'est vrai. J'ai envie de le mettre en purge, histoire qu'on ait un peu toutes les consoles représentées dans les purges. Parce que là, regarde, c'est passage, là, où tu dois péter un truc. Où t'en peux plus, tu dois vite... Quand on dit, il faut viser le pixel, là, il faut vraiment viser le pixel, quoi. C'est fou, quoi. Là, c'est vraiment pixel près, mais littéral. C'est littéral pixel près. Non, ouais. C'est une purge divine. Hein. Ouais, ouais, c'est... Ouais, ah, là, c'est une purge. Là, c'est une purge divine. Hein. Y'a rien pour le sauver, hein. Y'a que le thème musical, je crois, c'est tout. Mais après, tout le reste, c'est poubelle. Excalibur 2555. Avec El Famoso, cri du scorpion. Ouais. Mais ça, du coup, c'est drôle, c'est nanar, quoi. Ouais, alors que le jeu après, en lui-même, le reste, par contre... Ouais. Alors que le jeu en lui-même, c'est... Moi, je le mettrais à côté de Virus. Hein. Je le mettrais à côté de Virus. Parce qu'on est là, en fait, et c'est pour ça que moi, j'ai du mal avec les jeux PlayStation, c'est qu'on est là, en fait, dans le cas classique du jeu PlayStation, comme il en existe des pleins. Avec chiant, 3D moche, histoire nulle, caméra pourrie, enfin, et presque un peu pire que Virus, parce que Virus, au moins, tu pouvais taper sur les gens. C'était, en fait, ça peut aller autant en chiant qu'en gros tas d'arc-en-ciel. Ouais, je sais pas, j'ai plus trop de souvenirs du gameplay, mais c'est vrai que c'était... Alors, attends, on va mettre ça tout de suite, Excalibur. Ok, maintenant, tu vas me faire le bruit d'un scorpion qui meurt, ok ? De lumière. Ah, mais ce cri, il est parfait. Je rigole, parce qu'en fait, c'est vraiment... Comment on a créé ce personnage qui ensuite est resté dans l'histoire de JDG ? C'était juste une perruque qu'on a pris sur le tas, genre allez, la première qui passe, et ta veste que t'as pris, que t'as boutonné jusqu'en haut, et hop, c'est parti, un nouveau personnage. Ouais. Et après, jamais de la vie, on se dit que ces personnages-là vont revenir, tu vois. Et c'est juste en voyant la... c'est juste en voyant la réaction des gens que du coup, on est là comme des cons à se dire « Ah merde, du coup, on a canonisé un truc dégueulasse. » Ah, c'est la perruque de Papy Grenier, ouais. Je sais pas si on l'a dit, mais... Perruque de Papy Grenier, bien sûr. Bref, du coup, Excalibur de 1555. Ah, tu fais chier, C'est de la merde, hein. C'est de la merde. La caméra, c'est de la merde. Le jeu, c'est de la merde. L'histoire, c'est de la merde. Les bruitages, c'est de la merde. Les combats, c'est de la merde. Je te dis, c'est même un peu plus pire que Virus. Donc, pour moi, c'est un gros tas d'arc-en-ciel... voire même un trou. Ouais, je verrais plus en... Ouais, bah arc-en-ciel, ouais. Arc-en-ciel, ouais. Ouais, okay, un trou, c'est quand même très fort. Bah en fait, tu le mettrais au niveau de Virus, en fait, hein, parce que c'est... Oui, c'est la même sauce, hein, ouais. Du coup, les deux jeux suivants, je te propose de les grouper, parce que c'est quasiment du même ordre. En fait, c'est Tasmania et Bibip et le Coyote sur Super NES. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais. Je pense que les deux jeux vont ensemble. D'ailleurs, ils sont ensemble dans le même test, dans la même vidéo. Mais c'est quasiment les deux mêmes types de jeux. Sachant que les problèmes étant pour les deux, qu'en fait, les jeux sont beaucoup trop rapides. C'est-à-dire, Bip Bip, Roadrunner, tu te retrouves dans un jeu de plateforme où tu vas extrêmement vite. Sauf que si tu vas vite, eh bien, tu meurs parce que tu te prends des obstacles, etc. Donc, Tasmania a pour lui le côté en plus un peu dégueulasse et des bruitages un peu plus épouvantables et une musique un petit peu plus pourrie. Mais il y a aussi le côté rapide en soi, qui est pas bien dans les deux jeux.
Ouais, mais du coup, parce que j'allais dire maniabilité, mais c'est à cause de la vitesse, en fait. La maniabilité, c'est pareil pour les deux cas. Je dirais que Bip-Bip est un poil moins jouable, parce que beaucoup trop rapide. Tasmania est un poil plus moche et un peu plus dégueulasse au niveau de la musique. Bah après, ça tient aussi beaucoup du fait qu'il y en a un qui est sur Mega Drive et l'autre qui est sur Super NES. Il me semble qu'il y avait des pièges de level design dans Taz, il me semble, où tu passais dans des couloirs et des trucs qui tombaient sur la tête. T'avais très certainement qu'il y avait ça. Il y avait le niveau de la mine. C'est moyen. En fait, les deux jeux sont plutôt moyens. La mine, c'était horrible. C'était la mine, c'était en Taz, hein, où t'es dans un chariot. Il fallait avoir des réflexes de ninja pour esquiver les trucs. Le niveau des extraterrestres dans Bip Bip aussi. T'avais un niveau où t'étais dans un vaisseau spatial qui était chiant aussi à crever parce que t'étais perdu. Tu revenais en arrière, en avant tout le temps. C'était relou. Pour moi, les deux vont en petite flaque de paillettes. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, je suis d'accord. Allez. Captain Planet sur NES. C'était un épisode hors série au début. Un épisode hors série qui était sorti sur un des DVD qui a été ensuite diffusé au mois de juillet sur la chaîne. Captain Planet, c'était globalement pas ouf. Ouais. Ils essayaient d'exploiter le côté on peut changer les pouvoirs en fonction des personnages. Ouais, mais qui est un peu anecdotique parce qu'en fait, c'est le jeu pour rappel, c'est il y a deux phases. T'as les phases en vaisseau, qui est l'espèce de shoot'em up dégueulasse où en réalité t'as qu'un seul pouvoir ou t'as que 2-3 pouvoirs qui sont utiles, le reste sert à rien. Et tu as ensuite les phases où tu contrôles Captain Planet et tu dois switch de pouvoir, que ce soit feu, glace, machin, pour passer des ersatz d'énigmes, tu sais, genre ah là là, il y a un passage de feu, vite, il faut que je me foute en eau. Enfin bon, c'est ça, il y a un grillage aussi. Il y a un grillage, faut que tu te mettes en eau pour passer à travers le grillage. C'est de la merde. C'était super labyrinthique ces niveaux-là, je me rappelle. Il fallait faire plein d'allers-retours, c'était chiant. Moi, je le mettrais en petite flaque de paillettes aussi. Ouais, petite flaque aussi, ouais. Ça mérite ni plus ni moins, je pense. C'est un jeu classique. Petite flaque de paillettes, c'est un peu le médium. Hein. Pour nous, c'est un peu le jeu moyen. Le jeu mauvais de base, ouais, c'est ça. C'est ça. Platoon et Metal Gear. Platoon et Metal Gear. Platoon qui était un jeu où tu étais dans la forêt, c'était assez confus. Ah, on a dû faire une carte, et en imprimer, et mettre tous les trucs bout à bout. C'était horrible. Et Metal Gear, du coup, qui était extrêmement dur. Ouais, c'est le plus mauvais portage de la version. C'est le plus mauvais portage, mais c'est pas non plus un des pires jeux. Tu vois ? Bah ouais, t'as un peu la base, mais version amplifiée, un peu boiteuse et pas bien équilibrée. Ouais, c'était très dur, Metal Gear. D'ailleurs, je me souviens, c'était un des gros tournages, un des premiers très très gros tournages qu'on avait fait, parce qu'on avait. Il y avait la notion, le truc du gang Al Moustacha avec les terroristes. C'était complètement autre chose 2, mais bon. C'était complètement autre chose 2, effectivement, le scénario. D'ailleurs, première fois aussi qu'on avait tenté. On avait tenté un scénar qui se poursuivait à la fois sur le test et sur la mise en scène, notamment la voix, tu sais, la voix du personnage, parce que j'utilisais. Ah oui. J'avais une voix spécifique dans parce que j'avais une voix un peu comme ça, genre un peu. Voilà ce que j'entendais, ce que vous entendez. J'avais pris une voix un peu plus rock pour les parties mises en scène et j'utilisais cette voix dans le premier test aussi. Et les gens avaient râlé, genre oh là là, j'aime pas, ça m'avait fait chier ça, je te jure. Des fois, les gens, t'as envie de les étrangler dans les commentaires. Les gens qui étaient là à faire j'ai pas aimé le test parce que pendant une minute de ma vie, t'as pris une voix rock, quoi, mais nique ta mère, quoi. Vraiment, sérieux, quoi. Sérieux, genre, enfin bon. Ça, je te jure, des fois, les gens, t'as envie des étranges. Du coup, alors, Platoon, où est-ce qu'on glisse ça ? Pourtant devenu aujourd'hui une des... Qui était banal, en fait, Platoon. D'ailleurs, maintenant, j'ai compris. Ah, c'est vrai qu'on avait fait... Je sais pas si c'était compréhensible. On avait fait une référence... une référence de mauvais goût, d'ailleurs. À la fameuse photo des Irakiens qui avaient empilé... Enfin, des Américains qui avaient empilé des Irakiens. Oui, mais moi je voulais que ça aille plus loin, mais toi t'avais pas confiance ou t'avais peur que les gens connaissent pas le truc.
Je voulais faire une carte postale et marquer Greetings from Abu Ghraib. Abu Ghraib, ouais, bien sûr. Abu Ghraib. C'est pour ça qu'il y a la meuf à gauche. Il y a la meuf à gauche. C'est bon, c'est le genre de van qui passe inaperçu, mais bon. C'est... Si vous avez pas la ref, vous allez taper. Attends, merde, ça, j'ai pas affiché. C'est cette image-là, pardon. Cette image-là, voilà. Vous voyez pas la vidéo, voilà. Moi, je trouve ça très drôle, moi. Et parce qu'il y a le détail. Hein. On a vraiment empilé les gens qui ont joué avec nous. C'est vraiment des vrais acteurs posés par terre qu'on a empilés. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 empilés les uns sur les autres. Ils sont en cosplay en plus. C'est ça qui est drôle. Et il y a la meuf ou le mec, j'arrive pas à voir d'ici. Si c'est à gauche, qui fait vraiment exactement la même pose que le mec dans la photo. Mais c'était une meuf aussi dans la prison, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est pour ça on a pris une meuf, on l'a fait exactement la même pose. Enfin voilà. Michel, j'ai pas la ref. Ouais, ouais. Il y a juste le coup de la carte en fait qui était vraiment super chiant. Ouais, la carte était dure et d'ailleurs on le voit sur ce passage là où en fait le problème c'est que tous les écrans se ressemblent et on avait dû trouver une carte. Ça, là, ce qu'on voit à l'écran, c'est une carte trouvée sur le net qui indique effectivement par où tu dois passer. En vrai, c'est impossible à moins de refaire la carte toi-même. Mais c'est quasiment impossible parce que c'est vraiment extrêmement... c'est trop long et tout se ressemble beaucoup trop. Donc, je pense qu'on peut le mettre en petite flaque de paillettes, celui-là. Ouais, flaque aussi, ouais. Et Metal Gear, lui, tu le mettrais où? J'ai trop peur de me foutre les fans de Kojima. Est-ce qu'on est allé... Ouais, on est allé jusqu'au bout, ouais. On est allé jusqu'au bout. Je me rappelle, la fin était différente parce que là, tu dois péter un ordinateur. Tu t'affrontes pas... C'était alors il y avait quelques problèmes, notamment le problème qu'on voit là à l'écran où en gros il y avait un passage où il fallait précisément aller en bas à gauche, puis deux fois en bas à gauche et une fois en haut à droite par exemple et tu vois là on dirait que je suis perdu et que je tourne en rond, or en réalité il faut vraiment littéralement faire gauche gauche haut gauche pour accéder à l'écran. Ça, c'est le genre de connerie absurde qui te nique un jeu. Parce que là, t'as envie de dire non, mais ça. C'est le genre de truc où tu fais non, mais ça, je pouvais pas le savoir. Ça, c'était pas possible de le savoir, tu vois. Mais comme les pièges aussi où tu rentrais dans certaines pièces, t'avais le sol qui s'ouvrait et tu tombais, tu crevais direct. Je me rappelle de ça, c'était complètement fou. Ouais. Ouais. Après, le jeu est pas catastrophique en soi. C'est juste qu'il était dur, par contre. Bah, t'as la base du vrai Metal Gear, mais en plus raté, quoi. C'est ça. C'est vrai qu'il serait juste dur, on l'aurait mis en ultra dur, même pas mauvais. Mais là, j'ai un peu envie de le mettre en pas ouf, en fait. Parce que l'adaptation est ratée, en fait. Donc, bon, je vais le mettre en petite flaque, sachant que c'est vraiment une toute petite flaque, pour le coup, parce que là... Il faut pas non plus dire qu'un jeu est mauvais juste parce qu'il est difficile. Les jeux Color Dream, c'est des arnaques. Sachant que Red 2020... Ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Et Red 2020, c'est quand même un gros tas d'arc-en-ciel, mais ça reste extrêmement vide, en fait. Alors, Assault, par contre, c'était Silent Assault. Ouais. C'était le jeu qui m'avait valu ma première shitstorm sur Twitter. Figure-toi. Oui, je sais pourquoi. J'en garde avec un souvenir ému. Le keyword, c'est ça. C'est ça. C'était les premiers moments où tu avais vraiment les grosses communautés sur Twitter qui commençaient à s'offusquer de choses et d'autres. Et en fait, une fois dans la vidéo, à un moment, je prononce le mot Tarlouze, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on m'était tombé dessus parce que genre, oh, machin, Tarlouze, il est homophobe, machin, etc. Alors que vraiment, je l'avais dit... c'était pas du tout, il y avait aucune arrière-pensée homophobe dans ma tête, mais c'est vrai que le mot était connoté. Maintenant il l'est, à l'époque il était pas encore, ça commençait, c'était le début, parce qu'à ce moment là je sais plus en quelle année on était, peut-être 2014 il me semble, et ça commençait à ne plus pouvoir utiliser ce genre de mots. Donc c'est vrai que maintenant, si je devais le refaire, je le referais pas, évidemment, maintenant. Mais du coup, à l'époque, bon, ça m'avait échappé. J'avais pas compris, sur le coup, ça m'avait échappé, mais bon, c'est la vie. Par contre, alors, le jeu lui-même, c'est une arnaque, hein, clairement. Le jeu lui-même, c'est une arnaque. Ouais, j'ai presque pas de souvenirs, mais ouais, tout ce qui est Color Dreams, c'est poubelle, arnaque direct. Le jeu lui-même, c'est une arnaque. En revanche... Red 2020, si je dis pas de bêtises,
Par contre, lui, je le mettrais en gros tas d'arc-en-ciel parce qu'il est quand même vraiment, vraiment pourri. Ouais, ouais, ok, ouais. Je suis en train de remémorer. C'est dans celui-là où tu te bats contre des fourmis Tu te bats sur une clé. C'était ça. Alors, évidemment, le jeu était dégueulasse. Tu devais esquiver. Tu te déplaçais sur cette espèce de ligne un peu bizarre, en truc isométrique un peu chelou. En fait, t'étais plus ou moins sur des rails. Et t'avais ces passages de merde. Ouais. En fait, le jeu était vraiment dégueulasse. Oui, non, c'est l'arc-en-ciel, ça. C'est un gros tas d'arc-en-ciel. Ah, Rulers of Nation, ou Geopolitical Simulator, hein, que je continue à faire régulièrement, que j'ai fait en narrative déjà. C'est un nanar. Hein, Rulers of Nation, c'est un nanar. Oui, oui, oui. C'est clairement un nanar. C'est même un peu drôle, en vrai. Hein. C'est vrai que moi, je conseille, d'ailleurs... D'ailleurs, je passe le message officiellement à Antoine, en fait, parce qu'Antoine avait envie d'y jouer et il osait pas parce qu'il avait peur que les gens disent « Tu fais comme JDG, machin. » Antoine, fais-le. Fais ce jeu, Antoine, tu vas te régaler. C'est un nanar, voilà. Toilette Tycoon. Jeu de merde. C'était chiant, non, en fait. Enfin, ouais, ça me... Bah, c'est une arnaque, en vrai. C'est... Ouais, mais il fonctionnait un petit peu, non, quand même, le jeu. Je sais plus. Non. Enfin, juste pour si, le enfin, si, ah ouais, mais ouais, mais bon, une arnaque, juste, moi, pour moi, c'est que le truc qui est mal fait, il marche pas, quoi. C'est, enfin, c'est, je sais pas, j'ai du mal. Non, mais arnaque, c'est juste que, bah, c'est, en fait, pour moi, c'est genre l'équivalent moderne de Charlotte de Fraise, quoi, tu vois. Enfin, y a pas de jeu, quoi, tu vois, c'est une arnaque. Ah, je sais pas. Tu trouves ? Il y avait un peu de gameplay. Oh non, c'est pas bien après, hein, c'est sûr. Hein. Tu le mettrais dans quoi, plus... toi, dans chiant ? Moi, c'était... ouais, sans mauvais jeu de mots, c'était plus ça qui prenait le dessus, quoi. C'est... Ça n'avait aucun intérêt, quoi. Ok, écoute, bah chiant alors. Fester Quest. Ah. Un jeu qui va peut-être être un peu plus difficile à classer. Parce que le jeu n'était pas si mauvais que ça, en fait. Mais oui, c'est vrai, je me rappelle qu'en le testant, parce que pareil, c'est un nom qui ressortait assez souvent dans les pires jeunesses, ouais. Mais... Quand on l'a testé, on s'est dit, bon, si tu sais appréhender le gameplay, ça va, tu t'en sors, quoi. C'est vrai. Puis là aussi, on a alterné les phases, non ? C'était vu de dessus, un peu à la Zelda. Tu tires avec ton flingue et après, tu rentrais dans les maisons et ça passait en mode subjectif, il me semble. Ouais. Ouais, ouais. Et la musique était bien. Mettre des images. Moi, je me rappelle surtout de la musique qui était très bien. Le jeu était dur, en fait, mais comme on le voit, il y avait beaucoup de problèmes du fait que les projectiles... Bah, on le voit à l'écran, hein. Les projectiles, ouais, ouais, passaient, tu sais, entouraient les mobs et du coup, t'étais en permanence avec des armes pourries qui faisaient pas de dégâts. Ouais. Enfin, voilà. Il fallait se positionner bien. Après, c'était dur. Mais était-ce mauvais ? Au pire, c'est pas ouf, en vrai. Au voilà, pire. C'est pareil, j'allais dire pas ouf, en fait. Au pire, c'est pas ouf. Tant qu'on est dans la famille Adams, on reste dans la famille Adams avec, du coup, Pugsley Scavenger Hunt, que j'ai refait en revanche. Ouh là 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 là. Qui, pour moi, est ultra dur, mais pas mauvais. C'est un des jeux, par contre, les plus durs qui existent sur la Super NES. Moi, je trouve qu'il est mauvais parce qu'il est dur. Bah ouais, mais en fait, sur les mots, mais... il n'est que dur, en fait. Si tu prends un joueur exceptionnellement skillé, ça va, tu vois. Il y a du level design qui est conçu que vraiment, ah, c'est mais... une putasserie, tu vois, là, c'est oui. Horrible. Ah, mais il est cruel, par contre. Le jeu est cruel, il est fait vraiment pour être... Le jeu est fait pour être un connard. Mais la courbe de difficulté, c'est ce qu'on voit à l'écran. Je sais pas. Mais tu vois, c'est le genre... En plus, c'est le genre de jeu... Dur, c'est bon jeu, mais dur. Et non, non, c'est pas un bon jeu. Ouais, non, tu trouves ? Ouais, ouais. D'accord, parce que c'est vrai que c'est le genre de jeu, en vrai, si j'organisais un event comme ça pour, avec plein de monde un peu doué, c'est vrai que là, moi je voudrais voir des mecs comme Gotaga ou Sardoche, des gens vraiment skillés, jouer à ce jeu, parce que ça, c'est des trucs où ils peuvent s'arracher les cheveux, quoi. Ça, c'est vraiment des jeux où tu t'arraches... C'est du die and retry. C'est vraiment du die and retry. Donc... Mais eux, ils sont très bons quand le jeu est bien fait, tu vois, ils arrivent à skiller dessus parce que... Tu vois, pas parce que t'as un mur qui te bloque le front, tu tapes dedans, enfin... Ouais, c'est le joueur qui doit s'adapter au jeu, pas le contraire. Donc toi, tu le mettrais pas en ultra dur mais pas mauvais ? Tu le mettrais en genre gros tas d'arc-en-ciel ou un truc comme ça ? Ouais, ouais, c'est au moins un arc-en-ciel, ça. Mais c'est juste pour la difficulté, du coup ? Il y avait d'autres trucs, il me semble. Hein. Bah, il y avait des bah, en fait, c'est le level design qui était vraiment... Bah, pute, en fait, le jeu veut ta mort, quoi. Le jeu veut que tu meurs. Le jeu veut que tu passes un... En fait, c'est ça, là, tu vois ce qu'on voit à l'écran. Le jeu veut que tu passes un mauvais moment.
En fait, c'est vraiment... le jeu, il veut pas que tu t'amuses, en fait. Mais c'est pour ça, tu vois... Y a des jeux qui sont durs, mais tu peux t'amuser dessus, quoi. Mais si... Non, non, moi, je me rappelle, c'était la boule au ventre qu'on jouait avec ça, quoi. Ah oui, non, ouais, mais c'était horrible, c'était un mauvais moment. Mais c'est parce que, vraiment, le jeu était largement au-dessus de nos compétences. Allez, ben, je le mets en gros tas d'arc-en-ciel, alors. Ouais, ouais, parce que t'en retires pas du fun, quoi. Donc, le JDG, c'était le JDG Disney, ensuite, hein. Avec, donc, La Belle et la Bête. La Belle et la Bête, qui était le premier jeu qu'on avait abordé vite fait, qui est plutôt anecdotique en vrai. Ouais, c'était ce que je me disais, non, c'est pas une arnaque. Non, c'était un peu chiant en fait. Le jeu était un peu chiant. Cette phase, ouais. Oui, chiant. De la même manière que le jeu suivant, alors, serait-ce une arnaque ou serait-ce chiant? Le Roi Lion, la fameuse naissance des patounes. Ah oui, oui, oui. Tout à fait, tout à fait. Bah, c'est la quintessence de la chiantise, la patoune, quoi. C'est aucun intérêt. Quoi. C'est, ouais. C'est beaucoup, c'est pour Pocahontas qui se fait décapiter, ça me fera toujours rire. Des fois, ça m'arrive, je sais pas si toi ça t'arrive, mais j'aime bien des fois remater. Alors, je les mate pas en entier, je remate certains gags des vieilles vidéos. Du coup, et franchement, je suis assez content de réussir à remater des vieilles vidéos et de toujours les apprécier, quoi. Ouais, ça m'arrive aussi quand ben, je tombe sur un gars que j'avais oublié. Et ouais, bah pareil. Il arrive quand même à te faire rigoler, quoi. Donc, du coup, voilà, donc les patounes, hein, d'ailleurs, qui sont la monnaie de cette chaîne. Donc, voilà, si vous demandez d'où viennent les petites patounes jaunes en bas du chat, eh bien, ça vient de là. Du coup, donc, le Roi Lion... Alors, c'est chiant, mais c'est genre vraiment très, très chiant, quoi, pour le coup. Ah oui, oui. Ouais, parce que tu peux pas foirer un gameplay comme ça, donc on peut dire que c'est mauvais. D'ailleurs, ça me fait penser, aujourd'hui sur Twitter, j'ai vu un gars qui parlait de jeu à patounes sans savoir que ça venait de nous, en fait. Tu vois, c'est juste. J'ai entendu plusieurs fois aussi le terme, je sais pas si c'est dans ma tête. C'est ça, alors du coup, pour expliquer les gens qui savent pas le principe d'un jeu à patounes, c'est pour ça, ça vient de ce jeu. C'est dans le Roi Lion, tu passais ton temps à récupérer des patounes de lion, et du coup, C'est le cœur du gameplay, c'est ça. C'est le cœur du gameplay, ça servait à rien. Tu t'emmerdais, tu récupérais, tu faisais que ça, récupérer des patounes pendant tout le jeu. Et c'est pour ça que tous les jeux qui consistent à juste ramasser en boucle des items comme ça, nous on appelle ça des jeux à patounes. Et il y en a notamment beaucoup sur PS2, notamment sur les jeux Looney Tunes sur PS2. C'est beaucoup des jeux à patounes, c'est où t'avances, tu récupères des items en boucle et c'est chiant. Et t'as des items partout à récupérer, c'est. C'est bon, bref. Du coup, chiant. Ah oui, c'est chiant. C'est... Sur le trône du chiant. Hein. Ouais. Fantasia. Ah. Fantasia. Ah oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Ah moi, Fantasia, moi, je l'ai fait en revanche, moi. Ah, je peux t'assurer que celui-là, il va... Ah moi, celui-là, il est en haut du classement. Hein. Ah, Fantasia, c'est une catastrophe. C'est de très loin le pire jeu d'infogramme. De très loin. Ouais, non, non, mais c'est sûr, quoi. C'est une purge. Le Disney... Ouais. C'est vrai, c'est une purge. Le Disney où le cœur, c'est la musique classique, ils te l'ont mis sur la plateforme, en fait. Désolé pour ceux qui aiment la Mega Drive, mais les musiques, elles ont été vilipendées du cul, quoi. Enfin, c'est... Je sais pas d'autre oui, mot, oui, mais... Oui, non, mais c'est il pas est possible, peut-être... quoi. Fantasia, il est peut-être même dans mon top 3 des pires jeux qu'on ait jamais fait dans un JDG. Je pense. Hein. GIGN Anti-Terror Force. Ah, j'aime beaucoup ce jeu. Mais j'aime beaucoup les gags de cette vidéo. Ils sont très absurdes. Et du coup, c'était dans ce jeu aussi où il y avait, bien sûr, Chirac en 3D. Ouais, je l'ai. Il est là. Maintenant, il faut que je l'amène sur le toit de l'Elysée. C'était rien pour ça. C'est nanar, c'est génial. Ouais. Ouais, le jeu était vraiment full nanar. Il y avait des problèmes. Enfin, en fait, les ennemis étaient tous stupides. Le tuto était un des jeux les plus ratés que j'ai jamais vu. Il n'y avait pas d'IA. Il y avait vraiment juste pas d'IA. Les ennemis te voyaient à travers les murs. Suffit d'aller voir la revanche. La revanche que j'avais fait dessus était assez drôle. C'était censé se passer dans les couloirs de l'Elysée. On dirait un hôtel campanile, quoi. Enfin, c'était vraiment de la merde à tout bout de champ. C'est nanar, hein, t'as raison. Ah oui, c'est nanar complet. Ils ont tué les otages. Alex Kidd. In High-Tech World.
Alex Kidd in Hi-Tech World, qui était différent des Alex Kidd habituels. Ouais, parce qu'elle a été un peu plus RPG, enfin, c'est ça. Tu parlais à des personnages. C'était un genre de RPG, ouais. Plein de pièges, non ? Tu pouvais crever de manière stupide. C'est ça, il y a un petit côté Takeshi Challenge, en fait, tu vois ? Ouais. Ou en fait, ah, c'est dans celle-là où on a fait la fin Deltaplane. C'est complètement. C'est la fin Deltaplane. Ah, c'était dans celle-là, attends. Ah oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il fallait trouver un Deltaplane à un moment. On avait. J'étais très fier de mon. Je me rappelle très bien que tu ne croyais pas qu'on était capable de simuler un Deltaplane. Je suis arrivé avec du scotch et trois bouts de plastique de merde. Et je t'ai fait état, regarde le Deltaplane. Et ça marchait parfaitement. Ça, c'est un excellent Deltaplane, monsieur. Effectivement, on voit le scotch. Hein, on voit le scotch. Ce machin a traîné dans une baignoire dans les locaux pendant genre 4 ans. Alors, je crois qu'il y a un moment où il fallait prier 100 fois à un endroit. Oui, voilà, c'est ça. Je crois que c'est ça, il fallait rentrer, ouais, c'est ça. Mais on est complètement dans du jeu de type Takeshi Challenge, en fait. On est complètement dans ce genre de jeu où il fallait, il fallait prier 100 fois pour... Ouais, mais Takeshi Challenge, c'est une fois, c'est une expérience. Là, c'est Alex Kidd 4, je crois. Ouais. Et après, voilà, c'est un jeu à part entière. Bah, est-ce que ça ne serait pas une arnaque aussi, du coup ? Alex Kidd ? Un petit peu, hein. Ou alors, c'est une... il faudrait... Ouais, c'est ça, il faut une catégorie troll, quoi. Mais en même temps, troll, c'est... Parce que... Ouais. Dans Alex arnaque... Kidd, c'est pas troll, hein. Hein ? Alex Kidd, c'est pas troll, hein. C'est pas troll, tu trouves ? Bah sinon, faudrait mettre Alf aussi avec le coup des développeurs là, qui font rebooter. C'est vrai, c'est vrai. Bah dans ce cas-là, arnaque. Parce que tu peux pas dire que le jeu est mauvais en soi, tu vois, y a pas de problème de gameplay, y a pas de... Enfin, y a... C'est juste. Ah, il y a le coup quand même. Moi, je me rappelle d'un moment, tu mets une armure de samouraï et tu meurs parce que tu restes bloqué dedans, en fait. Oui. Et personne ne vient te chercher, donc tu. Mais ça, c'est du troll, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est. Ouais, c'est foutage de gueule. Ouais. C'est du foutage de gueule. Voilà, c'est pas un problème de gameplay, genre ah merde, il y a un souci que les développeurs ont pas vu. Non, les développeurs l'ont complètement vu, tu vois. Moi, j'ai envie de dire. Ouais, j'ai envie de dire arnaque aussi, parce que voilà, c'est Alex Kidd 4, t'entends un truc de platformer machin, et puis non, ils ont changé les règles pour faire ça. Ouais, mais c'est arnaque, mais effectivement, c'est presque une catégorie troll. Prince of Persia. Alors, c'est pas la bonne jaquette, évidemment, mais on parle du Prince of Persia 2, d'ailleurs, c'est je crois. C'est le 2, ouais, Super NES, ouais. Le problème de ce jeu... qui est en fait le problème qu'on retrouve exactement sur le premier Prince of Persia, c'est un problème qui est lié au mouvement et à la manière dont sont capturés les mouvements, en fait. C'est-à-dire que il y a trop d'animation, ouais. Il y a trop d'animation, ce qui rend, en fait, tous les mouvements extrêmement longs, du coup. Mais bon, c'est inhérent au Prince of Persia, en fait. J'ai envie de dire, peut-être, c'est pas si mal, ou alors pas ouf, mais pas ouf, parce que... C'est vrai que si tu mets pas ouf, tu mettrais quasiment le premier Prince of Persia en pas ouf, mais bon, le problème était aussi ouais, récurrent. Peut-être plus jouable, il me semble, il y avait d'autres défauts dans le 2. Il y avait quelques petits problèmes. Après, on est passé dessus vite fait. Hein. On est vraiment passé dessus assez vite. Est-ce qu'on le met en pas si mal ou en pas ouf, d'après toi ? C'est pas ouf. Pas ouf ? Allez. Ouais. Allez, parce qu'on est méchant. Street Fighter 1. Ouais, il y a tellement un fossé entre le 1 et le 2... Faut pas penser à la saga, sinon tu diras ça reste un Street Fighter, donc quand même il faudrait... Non, je pense qu'il... Est-ce que ça serait un gros trou ou un... Ah ouais, carrément, d'accord. Moi j'hésitais entre arc-en-ciel et paillettes. Alors dans ce cas-là, gros tas. Gros tas d'arc-en-ciel. Peut-être ouais, pas un gros trou, certes. Allez, moi je dirais gros tas d'arc-en-ciel. Ouais, gros tas d'arc-en-ciel, c'est bien. Allez, super. Fat Man, on est dans les jeux de baston. Ouais, là, il faut grimper. Hein. Faut grimper d'un cran, on peut pas le mettre avec Street, hein, parce que celui-là... Celui-là, il est vraiment pourri. Il est vraiment dégueulasse, ouais. Il est vraiment dégueulasse et je suis obligé de m'arrêter pour vous faire écouter la musique de Fat Man. Parce que là, il n'y aura pas de problème de droit, donc tu peux... Je peux vous faire écouter la musique, là. Tu pourras chercher ce que tu veux sur le net. C'est vrai que c'est dégueulasse. Et c'est vrai qu'il y avait encore un jeu qui flottait avec des cartouches. Mais je crois que là, on se foutait de notre gueule déjà. On était déjà en mode, on se fout de notre propre gueule. Avec la fin, avec la multi-fin, du coup, qui n'est plus possible maintenant. Parce que du coup, les personnages, ça a disparu. La fonctionnalité a disparu de YouTube. Mais qui était très sympa. Hein,
Ouais, moi je suis très fier du résultat, ouais, je trouve ça. Ouais, complètement. Ah, il y avait, c'est vrai qu'il y avait Antoine qui était, quoi, était à la maison à cette époque. Il pleut dehors. C'était la dernière fois où il est passé à Fougères, ouais, d'ailleurs. T'es sûr? Ah ouais, c'était, il est plus la dernière fois qu'il était passé à Fougères, c'était c'était pour cette vidéo. Du coup, Fatman, alors Fatman qui était un jeu dégueulasse, que moi, je crois que j'avais fait un petit peu en revanche vite fait, mais Fatman qui était répugnant, le mode de deux joueurs était inexistant, c'était Ah, c'est du trou pour moi, c'est complètement du trou. Ouais. Il manque un je ne sais quoi pour finir en purge, mais non, c'est vrai qu'il est dégueulasse. Et nous avons Kazumi Ninja. Kazumi Ninja. C'est ça, si on le fait avec... si on le fait avec l'accent raciste, que je vais mettre tout de suite, d'ailleurs. Attends, c'est ça. Ah, moi, j'imite la voix dans le jeu, hein. C'est leur faute. Hein. Ah, c'est ça. Mortal Kombat, c'est pas spécialement un jeu qui est réputé pour la qualité de son gameplay. Kombat, il y en a eu des chiés. Nous, on essaye de faire des jeux. Il y a Angus, quand même, qui tire des boules de feu avec son penny sous son kilt. C'est ça, putain, il y a assez... Ah, c'est vraiment la voix Boldery, quoi. Je te jure. Ouais, c'est numéro 33 sur la carte, ouais, non. C'est vraiment... carte en mer. C'est la violence, quoi. Je sais pas si c'est... En plus, c'est forcément un blanc qui l'a doublé. C'est forcément... Ouais, je suis sûr, il parle comme ça, bah oui. Oh, salut, c'est Marc. Quasi ninja. C'est juste le plus raciste, s'il te plaît, ouais. le directeur de plateau. Ouais, Entering the Combatone. Plus sushi, allez, vas-y. Ah, putain, alors Kazumi Ninja qui était de la merde, mais c'était de la merde pauvre un peu, c'était de la merde un peu chiante, hein, tu vois. Bah, c'était un sous-Mortal Kombat. Perso, c'est ça, complètement. Qui est pas horrible à 100%, mais... C'était un gros tas d'arc-en-ciel. Ouais, petite flaque de paillettes, peut-être. Ouais, c'est... Ouais. C'est la flaque, hein. Aquaman qui était pas... jeu de transition de la GameCube qui était pas ouf, mais qui était pas le jeu principal de la vidéo, hein, du coup. Les missions sont absolument toutes les mêmes, à l'exception des... C'était chiant, c'était... Dark Tomorrow, non ? C'était Batman Tomorrow et Superman, les deux axes de la vidéo. Mais là, c'est vrai que le jeu était pas... C'était chiantose, quoi. C'était... Bah, comme c'est sous la flotte, c'est les contrôles qui étaient pas précis. Ouais. De toute façon, tout le budget était passé dans l'animation des cheveux, hein, clairement. Est-ce que c'est une petite flaque de paillettes? Ouais. J'hésitais entre flaque ou arc-en-ciel. Mais... Je l'aurais presque mis en pas ouf. Je l'aurais mis en pas ouf, mais les cinématiques, c'était vraiment de l'arnaque. Parce que, souviens-toi, les cinématiques, c'était juste des captures d'écran, tu sais. Oui, c'était du comics, ouais, un peu nul. Il y a la petite flaque de paillettes. Batman Forever, qu'on avait fait en revanche, on y avait joué tous les deux, je crois, qui était, bon, qui a ce côté dégueulasse, des jeux digitalisés, qui a des contrôles épouvantables aussi. Ouais, la combinaison pour faire le grappin, c'était n'importe quoi. Mais après, ça donnait des lieux à des moments un peu d'anthologie. Je me balance. Ça, c'était un peu rigolo, mais sinon le jeu était chiant, c'est vraiment du beat'em up nul, pourri, avec des passages un peu foireux où tu sais plus du tout où aller, des trucs où t'as tué tous les ennemis, voilà. Et il faut chercher parce que t'as oublié un ennemi qui est caché quelque part, et si tu l'as pas tué, t'es obligé de refaire tout le niveau entier. Bah, c'était relou. Le scrolling parallax qui te masque les trucs devant. T'as tout le temps des trucs qui te masquent le personnage. Est-ce que c'est un gros tas d'arc-en-ciel? D'accord. Dans ma tête, il y a chant qui résonne, mais ouais, c'est pas assez fort, je pense. Ouais, peut-être. Gros tas, ouais. Ouais, ok. Les jeux Home Alone. Les Home Alone, je crois qu'on les a tous fait, ouais, effectivement. L'épisode était plutôt sympathique. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu, celui-là. T'avais le jeu sur NES où tu devais éviter. Bah, les deux jeux étaient plus ou moins sur le même modèle, sauf que dans le jeu NES, tu étais dans une seule maison et tu devais te cacher pour éviter les casseurs flotteurs. Et dans le jeu Super NES, je crois que c'était plus un jeu de plateforme, il me semble. Ouais, le jeu Super NES, c'était plus du jeu de plateforme, genre où tu te baladais. D'ailleurs, je crois que c'était basé sur Home Alone 2, si j'ai pas de conneries. Où tu devais. On avait fait le 2 à New York, là où il y avait les parapluies, les aspirateurs. C'est ça. C'est ça. Et le deuxième était un jeu de plateforme plutôt random où tu dois esquiver, genre c'est toujours pareil, quoi, les jeux de plateforme à la con sur Super NES où t'as les aspirateurs qui sont vivants, les valises qui sont vivantes, enfin bref, où tous les objets essayent de te tuer et genre t'as tout le monde qui te jette des trucs à la gueule, tu sais pas pourquoi. Et la version...
Attends, on l'avait fait le NES, ouais. Parce qu'il y a celui du 1, tiré du 1 et tiré du 2. Et je crois qu'il y avait des problèmes. Ouais, si, on avait fait le NES. Il y avait des problèmes au niveau des items, je crois que c'est genre le cœur n'était pas des cœurs, mais c'est les gâteaux, c'était des cœurs. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'était les items étaient mélangés. Ou c'est genre les clés. Non, je crois que t'avais un personnage qui te balançait des clés, mais genre les clés, ça servait pas à ouvrir les portes. Enfin, c'était, il y avait des trucs foireux comme ça. Après, le jeu en lui-même m'a pas beaucoup marqué. C'est pas un des jeux qui m'a marqué dans les JDG personnellement. Ouais. Parce que le NES, en fait, c'était de la survie, il me semble. Parce que t'avais des pièges, mais temporaires. C'est-à-dire, une fois qu'ils étaient pétés par les caisseurs flotteurs, tu pouvais pas le réutiliser, il me semble. Ouais, ouais, je crois. Je dirais que le NES est pas ouf, en fait. Ouais, pas ouf aussi, ouais. Le NES est pas ouf. Et le ça Super NES. Le délire à peu près. Le Super NES serait une petite flaque de paillettes. Mais pas plus, ce qui m'a pas marqué. Ouais, pareil. Pareil, pareil. Oui, alors ça, je crois que c'est les jeux de la Saint-Valentin. Ouais, c'est pas celui où tu dois séduire une fille. Ouais, avec des je crois que c'est ça. C'est ça, c'est le JDG Saint-Valentin, ça. C'est le JDG. C'est le. Coleco, c'est... c'était sur Coleco. Ouais, c'était sur une vieille console. C'était ce jeu-là, du coup, où il fallait, en gros, séduire une meuf, voilà. Il fallait rapporter des bouquets de fleurs à. Non, tu étais la meuf, pardon. Tu étais la meuf et tu devais éviter les ours pour ramasser des fleurs et les emmener à ton copain, en fait. Voilà. Oui, oui, c'est ça. Oui, jeu japonais, hein. Ouais, jeu japonais. Ah oui, c'est SG-1000, ouais, j'avais raison, c'était sur ça, la... SG-1000. Du coup, ce jeu, oh, c'est même pas un vrai jeu en soi. C'était un prétexte pour faire des blagues, je pense. Oui, c'était quand même... Ça fait partie de ces jeux, effectivement, où on s'en sert comme remplissage, en fait. C'est chiant, en fait. Hein. C'est... Brad Stallion and the Sex Olympic. Ah, là, c'est nanar. Hein. C'est nanar. On est complètement dans le nanar. C'est du point and click, le gameplay c'est pas non plus... mais bon, c'est des situations, quoi. C'est un moment, c'est... Oh, cul un mouton, quoi. C'est littéralement cul un mouton. C'est plus. Cul un mouton. Parce que tu peux... J'hésitais d'ailleurs à le faire en revanche, celui-là, mais je me suis dit, ah, ça passera jamais, ça va être bonne. Mais c'est vraiment, littéralement, tu encules des moutons. Tu peux littéralement enculer des moutons. Donc, je pense que c'est un nanar. Hein. Après, vraiment, pour le coup, là, les dessins, c'est fait par ta petite sœur, hein, dans ce truc-là. Puis le vaisseau bite. Le vaisseau bite, évidemment. L'excellent vaisseau bite. Super Elite, d'accord. Super Elite, c'était ça. C'était moche. Je crois qu'il y a des gens qui l'aiment bien, il me semble. Oui. Je crois qu'il y a une communauté de barrés qui aiment bien ce jeu, quoi. Oui, oui, complètement. En fait, c'est vrai que le jeu est extrêmement détaillé. Le jeu est extrêmement détaillé, en fait. Il y a vraiment beaucoup de... Il y a, tu lis un magazine Closer, d'ailleurs, sur ce plan-là, qu'on avait acheté juste pour un truc que personne n'a vu, j'en suis sûr. C'est pas Closer Teen ? Si, je crois que c'est Teen Closer. C'est Closer hein, Teen, c'est, ouais, c'est ça, c'est la version adolescente. Du coup, Super Elite, bah, moi, je trouve le jeu, je trouve moche, en fait. Mais les c'est vrai que. Les animations, elles sont dégueulasses, frame par frame. C'est bah, en fait, c'est dès que t'es encombré, tu peux t'avances plus. Ce truc récurrent hein, qu'on voyait dans Virtua Elite aussi, où le jeu ralentissait tes FPS, bah, là, au lieu de ralentir tes FPS, il ralentit tes mouvements. Et du coup, bah, tu te retrouves à avancer à 2 à l'heure. Quoi. Mais bon, après, c'était pareil, c'était un jeu de transition, on n'en parle pas longtemps dans la vidéo. Mais c'est vrai, pour moi, je trouve que pour de la Mega Drive, les graphismes, c'est honteux. C'est vraiment c'est honteux. Quoi. Ouais. C'est juste honteux. Par contre. Le jeu est extrêmement complet, on peut reconnaître ça. Ouais, mais il était pas fun, il était dur. Bah t'avais. C'était compliqué, ouais. Je sais pas comment. C'était compliqué, mais surtout que t'avais, fallait gérer la faim, fallait gérer la soif, fallait gérer oui, la c'était fatigue. Ça, mais c'est... Sur la fin de notre partie, c'était ça. On était dans un labyrinthe et il avait tout le mec. Il avait un chier pissé, il avait faim, soif. On est mort de faim dans un labyrinthe. Je m'en souviens très ouais, bien. Voilà. On est mort de faim dans un labyrinthe. Parce qu'on n'avait pas emporté de nourriture, du coup. Enfin voilà quoi. On a peut-être joué comme des sacs, donc c'était peut-être ultra réaliste. Bah, on voulait avancer pas vite. Mais pas ouf. Allez. Ouais, on peut le mettre en place. Pas ouf par respect pour les gens qui l'aiment bien. On avait tourné à la forêt de Brocéliande sans aucune autorisation. du coup. Et Bob avait failli mourir dans cette scène, en fait. Parce que Bob, là, on voit qu'il est là, il est sur un rocher. Mais genre, ce qu'on voit pas, c'est que sur le contre-champ de ce rocher,
il y a genre le vide. C'est en fait là quand il saute. En fait, quand il saute, il atterrit en dessous. J'avais déjà raconté cette anecdote. Il atterrit en dessous. Il y a une plateforme qui fait genre 30 cm sur 20. Et il a atterri sur cette plateforme. Il aurait raté cette plateforme. Il aurait dévalé une pente et se serait écrasé 20 mètres plus bas. Donc, c'était extrêmement dangereux. Et d'ailleurs, maintenant, on ne peut plus faire ça parce que quand on y est retourné pour des repérages assez récemment, maintenant, ils ont rajouté en fait des barrières un peu partout pour éviter, peut-être grâce à nous d'ailleurs. Si tu peux sauter comme un con et t'éclater la gueule, mais c'est vrai que le chemin est balisé maintenant. Il y a des plots et des cordes. Le chemin est balisé. C'est lui qui a insisté pour faire ce saut, hein. C'est pas nous. Hein. Nous effectivement. On voulait pas prendre moi, risque, hein. Il serait mort ce jour-là, j'aurais dit, bah, c'est lui qui a voulu. Oui, son enterrement, j'aurais dit, c'est de sa faute. Avec ce fameux gif que les gens utilisent maintenant sur Twitter. Ah oui, effectivement. On n'avait pas du tout prévu en fait de faire ce truc. On a juste récupéré l'argent en mode j'arrive, vas-y, t'as pas 50 balles, du coup. C'est vrai qu'on n'avait pas de faux billets. Ouais. On n'avait pas de faux billets, du coup, on a dû prendre des vrais billets qu'on a récupérés. On a demandé des billets aux gens de l'équipe pour lui mettre dans la bouche parce qu'on avait oublié de prendre des billets, du coup. Pleine trace de doigts de milliers de gens dans la bouche. Le Seigneur des Anneaux. Tiré du livre. Ruti défoncé au plâtre a programmé ça ici. Il y a des passages qui étaient un peu nanars. Chaque fois que je recrute un membre dans mon équipe, il ne reste moi je me rappelle pas ouais d'un jeu un peu rigolo quoi parce qu'il était vraiment mal foutu. Regardez ça, là, je viens de recruter. On avait réussi à le finir, il me semble. Attends, je sais. Non, on l'avait pas fini. Non, le jeu était extrêmement long. On avait pas loin de la fin. On avait utilisé des mots de passe en fait. Pour arriver au passage où tu récupères le je crois Aragorn, je crois que c'est le premier. Tu mets des dizaines d'heures. Le jeu est extrêmement long en fait. Donc on avait pris un mot de passe pour avoir toute la communauté. Et du coup c'est là où on s'apercevait que quand tu jouais avec toute la communauté, l'IA faisait n'importe quoi. Le pathfinding, il était du haut. Mais vraiment, ouais. Le Pice Fanny, les gens ils étaient perdus. T'avais les mecs qui se baladaient dans l'écran sans savoir où ils allaient. C'est pour ça que c'est un peu drôle. C'est un peu drôle, mais c'est vrai que quand tu contrôlais les 4 hobbits, encore ça va parce que des fois tu les contrôlais un par un ou deux par deux. Mais quand t'avais les 8 à la fin, c'était n'importe quoi, ça puait la merde. Des fois tu te baladais dans les donjons, je me souviens. Tu te baladais dans les donjons et tu croisais un mec à toi qui s'était perdu, qui allait dans l'autre sens. Ouais. Tu te baladais dans les donjons, tu disais mais attends, il est passé où Aragorn? Et puis finalement tu vois Aragorn qui vient dans l'autre sens. Et il a fait le grand tour en passant, on sait pas par où, mais. Parce que c'est pas mauvais en soi, en vrai. C'est que c'est mal foutu et mal foutu drôle. Donc ça, pour ouais, moi, ça rend dans le nanar, quoi. Tu le mettrais dans le nanar? Je le mettrais presque dans C'est pas... C'est pas si mal ou pas ouf aussi, tu vois? Ah, pas si mal quand même, faut pas déconner. Parce que quand l'IA fait n'importe quoi, ouais, ça te bloque. C'est vrai que sur la fin, tu peux plus jouer. En fait, dès que t'avances et que tu récupères la communauté, tu peux plus jouer. Parce que les gens, ils font n'importe quoi et du coup, ils crèvent pour rien, en fait. Je rappelle que les gens peuvent crever. Donc autant tu peux sortir tu peux sortir de la Moria avec Gandalf, mais tu peux aussi rentrer dans la Moria sans Frodon, ce qui est absurde. Tu vois. Nanar. Allez dans Nanar, ouais. Franchement. Allez dans Nanar. Ah, Indiana Jones. Bah, du coup, c'est le Young Indiana Jones, yes. Young Indiana Jones, bien sûr, avec la première apparition de Archibald Von Grenier. Ah oui, j'aimais beaucoup cette intro. Personnage qu'on n'a pas et réussi Alpha à... 5 aussi. Qu'on n'a pas réussi à recaser, mais je trouve que je faisais un excellent... attends. C'est la première apparition. Oui, il est revenu, mais c'est dans la vidéo métal, en fait. Mais c'est juste un caméo qui n'a aucun sens. C'est ça. Dans la séquence Rail Shooter, il sort derrière un arbre avec un tromblon. C'est ça, qui est donc le grand-père de joueur du grenier dans le lore, hein, qui est un esclavagiste... qui est un espèce d'africaneur esclavagiste d'ailleurs. Et parce qu'on le voit, il fait une apparition dans le JDG Terminator. Le JDG... ouais non, c'est ça, Terminator. Il fait une apparition dans le JDG Terminator. Ah ouais aux côtés de... Ouais, ouais, je crois. Par contre, le jeu en lui-même est épouvantable. Ouais. Pour l'avoir fait en revanche... avec les corbeaux... Putain, et des oiseaux, et les corbeaux qui te foncent dessus... quand tu ces passages là où tu te fais bolosser mais par tout le monde, tu pètes des câbles. Regardez
ça, mais c'est fou, je suis bloqué dans le... Ils avaient fait une super physique de fouet, mais ça servait à rien parce que t'as pas le temps de, ouais, de le déployer. Et comme la hitbox qui est efficace, elle est au bout du fouet, à la pointe. C'est ça. Et ça sert à rien, quoi. Et le jeu est aussi extrêmement difficile. On le dit pas parce que là, on plaisante parce qu'on reste beaucoup sur le premier niveau. Mais parce que t'as du mal à avancer, c'est pour ça. Ouais, parce que t'as du mal à avancer. Mais genre, les niveaux suivants, pour les avoir fait dans les revanches, hein, souvenez-vous, ils sont ultra durs. Pour moi... On l'avait pas fait, celui-là aussi, non ? Pour l'avoir fait en revanche, si, en chitant à mort. Pour l'avoir fait en revanche, pour moi, c'est une purge. Tu l'as fini en revanche ? J'ai jamais réussi à le finir en revanche. Mais je pense que c'est une purge. Je pense que franchement, je pense que c'est vraiment un des pires jeux de plateforme que j'ai fait. Pas pour les raisons genre Fantasia, mais genre quand t'es dans le niveau 1 à te faire mais bolosser par tout le monde sans aucun temps pour te remettre de ce qui t'arrive, c'est t'en peux plus, t'as envie de jeter la télé, quoi. Ouais. Je le mets en purge. Ah ouais, d'accord. Moi, je pensais qu'on hésitait entre trop et purge, mais... Ouais, non, purge, ouais. Hook. Bah, Hook, pour le coup, je me rappelle, on a fait une petite mise en scène qui payait pas de mine, mais qui était plutôt sympa et qui justifiait ta perte de poids aussi. C'est ça. Mais du coup, ouais, en gros, on avait fait cette mise en scène-là qui permettait de justifier la perte de poids en faisant genre que j'avais rien mangé. Un petit détail, la fumée qui sort de la cocotte minute, c'était Nico avec sa vapoteuse qui avait rempli ça. Complètement. On avait soufflé avec une vapoteuse dans la cocotte minute, on avait refermé et ensuite on avait rouvert la cocotte minute pour faire croire qu'il y avait de la fumée qui sortait et l'effet marchait. L'effet marchait bien. En fait. Totalement. Sinon, le jeu en lui-même, pour rappel, c'était ça. Revenons au jeu. C'était pas ouf, non. Enfin, j'ai pas trop de souvenirs. Ouais, c'était un platformer un peu classique, pas terrible. Bah, y avait ce problème de couleur là. Il y avait surtout un gros problème d'allonge en fait. Hein. Souviens-toi, ce qu'on voit à l'écran d'ailleurs. Ah ouais. C'est moi, je prends de la NES, franchement. C'était que genre, ton arme, elle faisait genre la taille de ton doigt, quoi. T'avais pas de dalle. En fait, tu prenais tout le temps les coups, même au corps à corps. T'avais aucune allonge, réellement aucune allonge en fait. Pour moi, le jeu, je dirais que c'est pas ouf en fait. Ouais, voilà, parce qu'il y avait les levels où tu volais, ce qui était sympathique, mais... Après, ouais, pas plus que ça. Beetlejuice, qui était dans la même vidéo, du coup. Beetlejuice, qui était déjà plus pourri. Notamment avec les problèmes qu'il y avait dans Beetlejuice, c'était la caméra qui ne suivait pas. Souviens-toi, là... Il y avait pas des sauts de l'ange aussi Bah oui, c'était... Énormément de sauts de l'ange, mais c'était beaucoup dû à la caméra qui suivait pas, qui n'allait pas assez vite, en fait. Et du coup, des fois, tu allais trop vite pour la caméra, et du coup, tu te retrouvais à sauter par-dessus la caméra, et donc tu dépassais la caméra, réellement. Ah non, c'était de la merde, je suis en train de remater les images. T'avais les boss qui étaient difficilement compréhensibles, t'avais un système de costumes que tu portais, je me souviens. Oui. Et tu pouvais te softlock aussi, effectivement, je crois. Alors, je sais plus comment on pouvait se softlock. Oui ! Si, ben rappelle-toi, en fait. Rappelle-toi les passages avec le PQ, la machin, etc., où il fallait ramasser... Oui. T'avais des items partout et fallait ramasser du PQ. Et à un moment, on est resté bloqué parce qu'on avait utilisé un item qu'on n'aurait pas dû utiliser. Et du coup, on pouvait plus finir le niveau. Ouais, non, je me rappelle. Non, c'est du trou, ça. Franchement, c'est vraiment de la merde. C'est de la grosse merde, on est d'accord. Ça, c'est un trou. Takeshi Challenge. El Famoso. Bah ouais, là, du coup, comme on disait, faut créer une catégorie pour lui, quoi. Ça, Takeshi Challenge, qui était une vidéo qui m'avait fait beaucoup plaisir, parce qu'en fait, on l'avait divisé en deux. Donc, ça nous a fait un mois plus tranquille, en fait. Mais... C'était sympa, les petites mises en scène. La petite mise en scène, du coup, avec Sorina, qui avait fait les dessins, là, du coup. Du coup, évidemment, comme Takeshi Challenge, je fais au Japon... On avait fait du coup l'intro que je ne peux pas malheureusement mettre pour le générique, mais on avait fait une intro spéciale Japon avec plein de trucs d'extraits d'animés et de machins un peu japonisants. Et du coup, je me mais souviens du coup, aussi... Voilà, tout ce qu'on a installé au début, là, ça prend du sens dans une autre vidéo. Pas dans celle-là.
C'est vrai. C'est vrai qu'il y a la suite de Takeshi's Challenge qui est... Ben, c'est pas Terminator ? Non, je sais plus. Non, c'est la Japon 2. C'est la Japon 2, effectivement. C'est la Japon 2 dont on a déjà placé les trucs, effectivement. Et la première apparition de Pepito, alias Granolax, qui reviendra dans plusieurs autres vidéos, qui avait ce gimmick de s'exprimer, qu'on lui a enlevé, en fait. Mais il avait un gimmick qui était de s'exprimer uniquement, ça c'était Karine qui avait poussé, avec des phrases de rappeur. Il ne parlait que avec des trucs de rappeur, en fait. Non, c'était des chansons, parce qu'il écoutait... parce que là, ils sont des répliques de... C'était quoi, Sandy Valentino, tu vois, on est loin du rap. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois que Karim voulait qu'il ne sorte que des répliques de rap, il me semble. Ah, il me semble, ouais. Parce que je crois qu'à un moment, il y garde la pêche, ici du Booba. Ouais, ici du Booba. Mais en fait, du coup, je sais qu'au bout d'un moment, on est vite arrivé en galère, au bout d'un moment où on n'arrivait plus à le faire parler en phrase de rappeur. Et du coup, on a décidé juste de se rabattre sur des chansons, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne parle qu'en chansons. Et ça, c'est un gimmick qu'il a arrêté d'utiliser après. Ben voilà, l'écran d'attente. C'est un gimmick qu'il a fait qu'au début, il me semble. Qui ne fait qu'au début et qu'ensuite, on n'a pas réussi à tenir, malheureusement, sur les autres vidéos parce que c'était un peu trop compliqué. Mais du coup, vidéo assez sympa, je me souviens. Il y avait une ambiance assez cool. D'autant plus, alors, moi, ça, évidemment, quand on avait sorti le générique modifié façon Japon, tout le monde avait, dans les commentaires, c'était plein de gens qui font « Mais t'as changé le générique, ça va rester toujours comme ça maintenant ?» Alors que la vidéo s'appelait « Spécial Japon » et qu'il y avait un générique en japonais. Il y a des gens qui avait bien aimé, qui avait pas compris pourquoi il revenait pas sur la vidéo d'après, quoi. Mais il est où le nouveau générique ? Mais non, mais... T'as envie de dire, mais arrêtez. Du coup, on avait fini... Ah oui, ce Kamehameha familial. C'est ça. On avait fait semblant d'avoir un enfant bourré, et je trouvais ça très drôle, comme gag, avec la baston... Marrant, ouais. La baston, quand tu te battais contre ta femme, là, du coup, on avait fait venir deux enfants qui étaient avec Soria, qu'on avait sapé en mode... C'était quoi le film qu'on avait parodié, là ? Avec la vieille... Crazy Kung Fu, un peu. Crazy Kung Fu, voilà, c'est ça. Moi, je me rappelle parce que j'avais pas le son de la voix du gamin, donc je l'avais redoublé en faisant... comme ça. Et en fait, t'avais trouvé ça marrant, t'as dit non, on va le laisser, finalement. C'est plus rigolo comme ça. Ouais, carrément. Carrément. Et puis bon, je te dis, moi c'est le gag de l'enfant bourré me fait beaucoup rire, en fait. Du coup, Takeshi's Challenge. Alors bon, Takeshi's Challenge, le jeu en lui-même, hein, c'était du full troll. Là, évidemment, on est vraiment sur un jeu qui est même pas un jeu en vrai. Hein, c'est juste une blague. D'ailleurs, Takeshi lui-même, quand il a fait ce jeu, il l'a dit. Hein, il a dit, c'est une blague. C'est pas un vrai jeu. C'est pas fait pour être fini en soi. Donc la difficulté est absurde, le jeu n'a aucun sens, mais c'est ce qu'il est, quoi. Donc c'est presque arnaque en soi. Ça irait, selon notre catégorisation, ça irait dans arnaque, mais ça, c'est une parodie de la mort de Cell dans DBZ. c'est trop cool. Du coup, c'est une catégorie à part, c'est une catégorie troll en réalité. Mais si on fait une catégorie troll, est-ce qu'il faudrait pas mettre Alex Kidd dedans également, tu vois ? Ouais. Pour moi, c'est entre le nanar et l'arnaque, en fait, parce qu'il y a des situations qui sont tellement nanardesques. C'est vrai que ça peut être considéré comme un nanar aussi. Est-ce que je le mets en nanar, du coup ? Pense, ouais. Ouais, allez, comme ça nous évite de créer des catégories supplémentaires. C'est un nanar, d'accord. Cool World. Ah, lui, il va rejoindre les plateformers SNES dégueulasses. Ouais. Il est avec Spirou, lui, et toute la clique. On a que il y a la version Super NES et il y a la version NES qu'on a fait aussi. J'ai que la version Super NES à classer. Mais la version Super NES, ouais, ça va. Tu la mettrais où, toi, du coup, avec Spirou ? Ouais, je sais plus où est-ce qu'il y a des plateformers 16 bits un peu nuls. C'est une petite flaque de paillettes dans ce cas-là. Terminator. Un épisode que j'aime beaucoup, Terminator. Ouais, il était très sympa aussi. Ouais. Qui est techniquement l'épisode. Qui est techniquement l'épisode 0 et l'épisode final à la fois de JDG. S'il y avait,
S'il y avait une chronologie, ça serait à la fois le premier et le dernier. Parce que du coup, il se conclut, en fait, il se conclut par la rencontre entre le jeune grenier, et, entre le petit Seb et le petit grenier. Et du coup, qui est à la fois final, parce que c'est à la fin, tu repars dans le futur et on sait pas trop ce qui t'arrive. C'est une version futuriste de toi quand t'es en mode genre Snake Plissken. Ouais, exactement, complètement. Ouais. Et tu te donnes à toi-même ton premier CD de Metallica. Un épisode assez cool que j'avais beaucoup aimé tourner. Je me fais fumer, je me fais boire. C'est voilà. Ça. Ça c'est de la très bonne éducation. Ça c'est vrai. Hein. C'est vrai que dans cet épisode, on donne littéralement une clope aux gamins. Je crois que c'est tu lui alors donnes. Alors eux, tout ce qu'ils voulaient pendant le tournage, c'était jouer avec les armes. C'est vrai. C'est vrai que dès que la caméra était coupée, t'avais le petit grenier et le petit Seb qui se couraient après avec des fusils à pompe. On leur avait donné des armes, pas pour qu'ils s'amusent, hein, parce qu'évidemment, il faut donner des armes. Enfin, évidemment, les enfants, ils aiment jouer, donc, et nous, on aime. Bon, c'est les petits garçons, ils aiment bien les fusils à pompe, quoi, tu vois. Et du coup, on leur avait donné des flingues et ils s'amusaient à se tirer dessus entre les prises, c'était mignon. Le NES c'était quoi? Ah ouais, le NES il était chiant, il était super dur. Le NES était chiant. Le Mega Drive, ça va, tu vois, le Mega Drive était. Ouais. Était deux, bourrin pire, en fait. Le Mega Drive était stupidement bourrin, mais ça va, allez, en vrai ça allait. C'était le NES qui était. Oh, le NES il était chiant. Oh là là, t'avais ces trucs là, t'avais des plateformes chiantes. Buter les ennemis, ça prenait une éternité, tu te souviens de ça? Ouais. Non, le NES il est effroyable. Il n'y avait pas des problèmes de collision sur les plateformes aussi on passait à travers, il me semble. Il y en avait quelques-uns. Ouais, il y avait un petit peu de problèmes. Après, ça, c'est beaucoup sur le bout des plateformes. Mais c'était surtout que c'est genre les ennemis, il fallait se baisser, se relever, taper, se baisser, se relever, ouais. Taper, machin. C'est pas un trou, c'est pas une purge, mais c'est quand même un ouais, truc. C'est un petit tas d'arc-en-ciel dans ce cas-là. Nightmare Circus. Un jeu qui n'est... Attends, je sais pas, il est sorti au Brésil, mais... Non, il est pas sorti officiellement, je sais plus. Moi, je crois qu'il est sorti qu'au Brésil. Je sais plus, mais qui est dégueulasse, hein, vraiment. Lui, il était effroyable, ouais. Ouais, qui était vraiment horrible. Lui, c'est raté de A à Z, mais il n'y a pas le côté sympa nanar, tu vois, c'est... Ouais, c'est lourd, et dès que tu joues à deux, en plus, ça rame. Ouais. On l'avait fait en revanche, rappelle-toi, c'était dégueulasse. Incroyable. C'est vrai qu'il était sorti au Brésil, effectivement, parce qu'on avait le livret en portugais, je m'en souviens. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, mais en fait, c'est chiant, c'est incompréhensible, tu passes ton temps à prendre des coups. Et les niveaux, les décors, enfin, parce qu'en fait, tu pouvais retater la caméra, du coup. Ouais, dans l'espèce de funhouse, là, ouais, là-dedans. De funhouse, ouais, c'est ça. Mais tu comprenais rien parce que j'ai mis les petits canons par la cœur. Caméra en fait la caméra faisait une rotation mais les ennemis non en fait et du coup tu ça n'a physiquement ça n'avait aucun sens. Après évidemment on parle pas de ce genre de bon voilà il y a les décors psychédéliques en fond mais il y avait un peu de tout hein. Les décors psychédéliques en fond, t'avais les boss qui étaient dégueulasses, t'avais le mode de joueur qui était dégueulasse, t'avais le mode combat qui était dégueulasse, t'avais ce niveau là avec les miroirs qui était incompréhensible parce qu'il fallait passer d'un côté et de l'autre du miroir. C'était je suis pas sûr qu'il ait sa place en purge réellement mais je pense qu'il a sa place dans le gros truc. Oh, c'est un beau trou, ouais. Bon trou, effectivement. Et d'ailleurs, c'était la vidéo, je sais pas si tu te souviens, en fait, on voulait faire une fin horreur, en fait, on voulait vraiment faire un truc horreur. On avait fait un Benzaï qui était en caméo qui passait par là. Et on savait pas du tout comment finir. On voulait faire une vraie fin horreur. Et genre, je sais que qu'on avait écrit le script jusqu'à ces moments-là, précisément. Bah, toute la fin, elle est cool. Enfin, tout l'aspect Evil Dead, tout ça, c'est ça. Dans les bois. Mais après ce gros twist. Le twist Père Noël, c'est parce qu'en fait, on a commencé à tourner la vidéo sans avoir écrit la fin, en fait, du coup. Et quand on est arrivé au moment où, genre, il fallait réellement avoir une fin à la vidéo, parce qu'on avait écrit la fin, on s'est dit, bon, alors la caméra, elle suit au sol, ça rase, puis Seb, il rentre dans une cabane. Et la suite, on connaissait pas, on savait pas. Et du coup, au moment où il fallait tourner quelque chose, on s'est dit, vas-y, on va faire assez Benzaï, et puis on remue la tête, et c'était... et voilà. Et du coup, il n'y avait pas de fin à la vidéo, quoi.
Ah, moi j'aime bien, c'est débile, mais c'est rigolo. Enfin, le fait que Benzaï revienne, c'est drôle, mais... Oui, c'est la fin Père Noël, c'est quand même... C'est n'importe quoi. De toute façon, je pense que là, ça... Là... Je pense que là, c'est nous qui faisons... Voilà, ça, c'est nous... Ça, c'est nous, quand on fait, on sait pas... On connaît pas la fin. C'est, à mon avis... Je pense qu'il y avait un petit côté de nous dans le script qui, nous, en tant qu'ayant écrit le scénario, qui font... Et pas de fin. Et enfin, le dernier jeu, du coup. Superman 64. Attends, il y a un deuxième. Ah non, c'est celui qui est pas... C'est Forezia. Non, c'est Legend of Forezia, mais on va pas le classer. Legend of Forezia, parce que... Je pense qu'il mérite pas... on n'est pas assez joué pour que ça vaille la peine. Alors, Superman 64... qui est très souvent dans les classements de jeux, quand vous tapez pire jeu, machin, au monde, c'est très souvent le deuxième après E.T., en général. Alors, pour l'avoir testé un peu plus loin dans une revanche, voilà, les passages où tu joues Superman sont aussi nuls à chier. Mais c'est nul à chier chiant, en fait. Les passages avec les anneaux, c'est difficilement contrôlable, mais franchement, au bout d'un moment, tu peux y arriver, et d'ailleurs... Je me débrouille pas trop mal maintenant, je suis assez fier. Enfin non, je suis pas fier du tout, c'est un skill qui ne sert à rien. Mais pour y avoir rejoué, pour les revanches, il y a pas très longtemps, je me débrouillais pas trop mal sur les passages avec les anneaux. J'y arrivais assez bien et en général, j'y arrivais avec pas mal d'avance. Ouais, mais non, enfin je veux dire, c'est pas possible quoi. Enfin je veux dire, quand tu veux jouer Superman, tu veux pas être une otarie qui saute dans des ronds quoi. Enfin, ouais, non mais oui, bien sûr. Le jeu... Le jeu. Une fois ou deux, mais je crois que c'est que ça pendant tout le jeu, quoi. C'est tous les X levels, c'est... Allez, un petit tour. Alors, non, parce qu'en fait, tu alternes ensuite les passages où tu joues Superman. Mais en fait, les passages où tu joues Superman, ils sont terriblement horribles, quoi. Enfin, ils puent la merde, ces passages-là. Ce costume de Batman pourrave, quoi, vraiment. Je crois qu'on avait perdu le masque. Du coup, je m'étais retrouvé. C'est vraiment... Nul à chier. Ah, c'est difficile à juger. Ouais. J'ai pas envie d'être influencé et dire purge. Parce qu'il y a pas tous les ingrédients. Il manque des trucs, je trouve. Ouais. Il manque du contenu pour qu'il soit vraiment une purge, ouais. En fait. Ouais, je suis d'accord. Parce que les anneaux, c'est chiant. Parce que comme tu dis, si tu passes du temps, au bout d'un moment, tu vas choper le coup, quoi. Bah ouais. Le chat, visiblement, c'est 80% pour l'arnaque. C'est quand même un score sans appel. Est-ce qu'on s'en remet au chat? Est-ce qu'on est 100% commu, mon cher Seb? On peut faire ça, parce que quand je vois ceux qu'on a ajoutés là dernièrement, ouais. dans les purges, non, le code est respecté. Allez, mais dans ce cas-là, c'est une arnaque. Cependant, avant de partir, mon cher Seb, il reste une dernière chose. Je vais donc rajouter une catégorie, le trône. Ouais. Nous avons, pour la place numéro 1, la place finale, le maillot jaune, la médaille d'or, appelez ça comme vous voulez. Nous avons au choix Ghostbusters sur NES, Indiana Jones sur Mega Drive, Bubsy 3D sur PlayStation, Link Face of Evil sur Zelda CDI, CDI Philips, Fantasia sur Mega Drive, Dragon Slayer sur NES ou Airwolf sur CPC 464. Les deux moins pourris dans le tas. J'ai envie de te dire que c'est peut-être Airwolf. Airwolf, j'ai envie de l'exclure parce qu'il n'est pas assez rempli, peut-être. Je trouve aussi le gameplay est trop, ouais. Trop simpliste. Je suis d'accord. Donc Airwolf, on il réunit pas toutes les casquettes. Ouais. C'est sûr. Et moi, c'est Ghostbusters, peut-être. Aussi, j'ai envie de te dire Ghostbusters, ouais. Il est peut-être un poil trop vide aussi. Parce qu'il était dans la première moitié du jeu qu'on a trié. Donc on s'est un peu forcé, entre guillemets, à le mettre, quoi. Mais les autres, ils ont tellement leur méritait, place. Il méritait, bien sûr. Mais face aux autres, là, on a les contenders qui sont vénères. Allez. C'est quoi, j'ai un petit stress alors qu'on va rien gagner, puis ils sont en train de dire un des pires jeux. A few moments later. Alors, Sébastien. Bubsy. Tout à fait. Ou Dragon Slayer. Dragon Slayer. Deux symboles, deux légendes du jeu vidéo. Attention, il y en a une qui a démocratisé le FMV. Bien sûr. Et l'autre, c'est une mascotte qui faisait partie de l'eau de mascotte 16 bits qui s'est cassé la gueule en 3D. C'est ça. Une merde en 3D. Qui est morte maintenant, qui a fini dans le crack. Ouais. La musique est déjà terminée. Une réponse tout de suite? Non, pas du tout. Ok.
difficile. C'est difficile. C'est ouais, difficile. J'essaie de voir tous les points et les comparer. Bubsy, l'univers se répète à mort et à mort. Mais toi, c'est encore plus frais dans ta tête. Vu que t'as fait les deux en revanche. J'ai fait les deux en revanche. Très bien. Le trône est officiellement attribué à Bubsy 3D. Voilà. Félicitations. 100% commu. On écoute la commu, évidemment, sur ce chat. On a débattu quand même. Hein. On a pas fait un oui aveugle. On a débattu. C'est proche. C'est proche. C'est pas loin. C'est vrai qu'entre Dragon Slayer et Bubsy, mon cœur balance. Mais la souffrance est davantage présente sur Bubsy. Félicitations. Félicitations Bubsy. C'est vrai que Bubsy a ce côté cursed un peu, tu vois, que Dragon Slayer n'a pas. Mais oui, l'écran titre, rien que l'écran titre. Ouais. C'est vrai que Bubsy, il est complètement cursed en fait, que Dragon Slayer ne l'est pas, ouais, écoute. Ouais, ça mérite, il mérite sa place, je pense. Il mérite sa place. Ah putain, rien que d'entendre la musique. Et Roland. Ouais, j'en tremble, quoi. Merci à tous du coup d'avoir suivi cette petite soirée où on a fini du coup ce classement. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. On vous fait à tous des gros bisous et on vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos sur le bazar du grenier. Salut à tous, ciao ciao.